I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad yeah, here to play, yeah, and I've got something yeah. to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play i won't stop till i make a change i withdraw on the things i make i turn flaws into flawless traits i build tall never drop in space i won't stop till i hear him say oh, oh, da -da 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 -da. again I got tired eyes need a cup of blend that's right in the a.m. that's my only friend no light just the Sun coming up on the horizon I lose track of time yeah I move fast and climb a new class divine yeah true passion shines and I'm through passing time I choose second dimes you snooze half the time while I move passing by I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pause no I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall, never cap in space I won't stop till I hear him say oh, oh, da, 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 da. tout le monde ça fait plaisir de vous retrouver après ah, qu'il faut que j'enlève ce sous-titre le division de prod n'a pas vu le film c'est parce qu'hier on a fait une une watch party avec euh, avec G des rubriques de G avec euh, Anto Webed euh, chez donc chez Jules avec aussi euh, Jarod et Néo neuf des comics et euh, et du coup c'était pour préciser que nous on n'avait pas vu euh, que nous on n'avait pas vu le film pour que Jules s'en rappelle et qu'il évite de nous spoiler, comme il avait fait des fois d'avant. Donc, voilà, c'est mieux comme ça. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Je voulais en profiter, du coup, euh... déjà parce qu'en fait, <laughs> c'est du con, mais jusqu'à euh, milieu, jusqu milieu, fin d'après-midi, j'étais persuadé qu'on était vendredi. Du coup, j en train de faire mon je réfléchissais à mon planning en, entant, en étant persuadé qu'on était vendredi, jusqu'à ce que je me rende compte que pas du tout, qu'on était jeudi. Que du coup ça me faisait une soirée de plus et, et je me suis dit bah tiens j'hésitais entre euh, entre Twitch et YouTube et je me suis dit tiens ça fait longtemps que j'ai pas fait de de live comme ça vraiment euh, chill tranquille à pouvoir à pouvoir discuter juste répondre au chat donc je me suis dit c'était la bonne occasion en plus si j'ai la motive euh, je compte faire dans les deux heures à peu près ici euh, grand max. Si j'ai la motive, euh, ce qu'on fera, c'est peut-être pour ceux qui veulent, on basculera sur Twitch et on fera des, des petits réacts sympas. J'ai trouvé des petits trucs assez marrants, mais voilà, on verra, on verra. Je vous confirmerai euh, de toute façon tout à l'heure. En tout cas, bonjour Giovanni. J'espère que tu vas bien. Salut, comique du prof. Je propose l'IA pour remplacer Bendis comme sujet, mais euh, le. Pire en plus, c'est que justement, on a eu le. Déjà, on a eu le teasing. On a eu l'info. On a eu en primeur lundi dernier que justement, First Print préparait. Enfin, avait en boîte une grosse interview de, de Bendis. Une interview d'une heure et demie. Donc, ça va être cool. En vrai, ça va être super intéressant à écouter. Le mec connaît quand même bien, très bien l'industrie. Mais du coup, Arnaud nous a fait le plaisir de, de nous donner cette, cette news. En primeur ça va arriver sur first print donc une heure et demie d'interview de, de bendis et tu parles d'IA, mais euh, la vignette que j'ai faite de ce qui sert en fond là justement c'est de lire. justement c'est de lire. après voilà je suis un petit créateur de contenu il est clair que j'embaucherai de toute façon pas des gens pour euh, pour faire des, des vignettes ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs euh, évidemment donc je continue à penser que l'IA, c'est un outil incroyable et vraiment top pour plein de choses. Après, voilà, il y a des cas dans lesquels il faut y réfléchir, il faut le réglementer. Mais euh, pour des gens comme nous, avoir accès à ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Hello, Williams. Bonsoir, en avance. Oui, très, très bien ça. No spoil, mais X-Men 97. Quel plaisir. Armand, il y a tel choc dans une série d'animé à la fin de l'épisode et à ne pas savoir quoi faire durant le générique de fin. Très, très bien. Et j'ai vu plusieurs en parler et merci beaucoup. Vous l'avez très bien fait. Effectivement. On ne spoile pas X-Men 97 ce soir. On fera de toute façon un live demain, euh, justement, sur l'épisode 5 de X-Men 97. Je, je suis en train de vous préparer ça, je vais continuer tout à l'heure. Ou voilà, on fera une analyse complète de l'épisode, toutes les références. Je suis même en train de relire les issues, justement, euh, de. de, de C'est dans, dans le run de Morrison, euh, avec Quietly, justement, euh, où il y a la destruction de... Bah, 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 bah. J'allais spoiler comme un cadavre. Mais, euh, mais oui, oui. On en parle demain, du coup, et euh, on se fait ça. Je vous sortirai toutes les références et tout ça. Ça va être très cool. X-Men 97, j'étais hypé avant sa sortie officielle. Je ne suis pas déçu. Je n'étais pas hypé avant sa sortie officielle. Et. Bordel, c'est vraiment bien, c'est vraiment, vraiment bien, quoi. C'est. Et c'est terrible parce que je vois même les gens sur Twitter en mode tout le monde est, tout le monde est en train d'essayer de, de, d'oublier que Beau des a une répute de merde et semblerait-il a été euh, exécrable et tout ça. Euh, et tout le monde est en mode. Euh, ouais, enfin, faites-leur faites, faites faites écrire. Hein. Après, je ne sais pas à quel point lui. Mais bon, on pourra regarder si vous voulez, mais il y a un post qu'il avait fait où justement. On sent on, de ce qu'il en dit, il a quand même apporté beaucoup de choses, entre autres sur ce qui vient de se passer. On en parlera demain plutôt. On regardera son poste demain parce que justement ça, ça spoil les choses. Mais... Euh... <laughs> ça va l'outil qui dit n'importe quoi. J'aime beaucoup. <laughs> J'aime beaucoup. Mais, euh... Mais ouais, on en parlera demain. Mais du coup, ouais, on en vient à regretter que Baudemaillot soit, un... semble-t-il, un salaud avec ses collègues. Hein, parce que... Merde, c'est vraiment bien écrit, quoi. C'est vraiment bien écrit. C'est assez ouf, c'est assez ouf. Bon, on en parlera demain, pas tout à coup. Là, vraiment, ce soir, ouais, on évite de spoiler, il y a pas mal de gens qui ne l'ont pas vu. Donc, il euh, euh, y aura une saison 2, Alexandre J. Il y aura une saison 2, ça a été, euh, ça a été déjà validé, euh, semble-t-il. Donc, euh, ouais, ouais, normalement, il y aura une saison 2. De toute façon, voilà, on voit que la série cartonne. Évidemment qu'il y aura une saison 2. Que ça soit déjà annoncé ou pas, on le sait, on le sait. Salut j'ai bien kiffé le dernier épisode des X-Men, pourquoi on n'a pas cette qualité en live action Surtout qu'ils font un beau boulot parce que du coup ils prennent vraiment dans différents arcs de différentes époques et ils arrivent vraiment à mettre le, à mettre le tout ensemble et ça fonctionne bien pour le coup, c'est vraiment fait intelligemment donc vraiment chapeau là-dessus. Salut Théo, salut Isoka et puis salut Tonio évidemment. Euh, « Bonsoir, je me suis toujours pas mis à X-Men 97 alors que j'ai adoré le premier épisode. Je crois que j'avais peur de trop attendre à chaque sortie. Maintenant qu'il y en a 5, je vais m'y me mettre. » Ouais, je te, bah, je te conseille, si tu veux pas te faire spoiler, du coup. Euh, franchement, ouais, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Et tu vas voir, tu vas pas être déçu. C'est vraiment cool. Est-ce que... Oui, vu qu'on avait répondu à ta question, Théo, du coup, euh, c'est cool. Effectivement, ouais, c'est enfin dans des omnibus. Euh, salut, Jésus euh, Zack Snyder vient de me confirmer qu'on peut être un passionné et quelqu'un de très sympathique, mais ne pas comprendre son univers. Le vrai canon d'ici, je l'aime bien, mais non, quoi. Oui, 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 oui. Oui, il y a eu tout ça. Effectivement, je suis d'avis qu'à un moment, sa femme, devrait, qui est sa productrice, devrait lui dire Zack, je t'aime, tu es mon mari. Ferme ta gueule. S'il te plaît, euh, ferme-la Évidemment, les médias font en sorte de, euh, voilà, de prendre les côtes les qui vont faire réagir sur Internet et tout ça. Évidemment. évidemment. Mais justement, t'as l'habitude, leur donne pas du grain à moudre à ce point-là. Arrête de dire des conneries, s'il te plaît. Juste, arrête. Vraiment, c'est pas bien ce que tu fais. Mais euh, ouais, ce truc-là. Surtout qu'en plus, enfin, comment il peut se permettre, ce qu'il a dit par rapport à. Par rapport à euh, aux gens qui s'accrochaient euh, à des visions du personnage, je sais pas quoi. Mec, tu peux pas dire ça quand toi-même tu as prouvé que tu avais rien compris à Dark Knight Returns. C'est déjà dans l'interview du Rogan mais j'ai aussi vu un autre extrait de vidéo que quelqu'un avait posté où à chaque fois, il ressort cette... ce même exemple. C'est un moment dans le comics Dark Knight Returns où euh, Batman se retrouve avec ce qu'on appelle les mutants qui sont une espèce de gang et il y a un enfant qui est pris en otage. Et il n'a pas compris ce qu'il a lu. Il n'a pas compris ce qu'il a lu. Et c'est pas une question d'être accro ou commissaire curé ou je sais pas quoi. Non, juste quand un bouquin dit un truc et que toi tu comprends le contraire, il y a un souci, il y a un problème. Et il n'a pas compris cette scène. Et il est persuadé. Et c'est fou que personne ne lui dise. Il est persuadé que Batman bute un mec en lui mettant une balle entre les deux yeux, alors que c'est pas du tout ce qui se passe. Je veux bien que ce soit pas extrêmement clair sur le coup. C'est vrai. Ça, je lui reconnais que sur le coup, c'est pas extrêmement clair. Mais en fait, c'est dans l'épaule qu'il lui met une balle et il ne le tue pas. Et après, ça devrait être clair normalement. Alors, les balles en caoutchouc, ça, c'est sur son, c'est sur son espèce de tank Valel. Mais à ce moment-là, c'est effectivement quand il arrive par la fenêtre et euh, qu'il a le, qu'il a le, le, la mitraillette qui avait un démutant. Mais le truc, c'est. D'une, si tu regardes bien, tu vois que la trace dans le mur, elle est au niveau de son, elle est au niveau de son épaule. Et de deux, il y a encore vingt fois derrière où il dit que justement il se refuse à tuer. Et je ne sais pas comment il a réussi à passer à côté de ça, parce que vraiment faut le vouloir, faut être sacrément borné pour pas, pour ne pas voir que vingt fois ensuite il répète qu'il ne veut pas passer cette limite. Vingt fois il le répète. Quand il y a le chef des mutants euh, plus tard dans le, dans le comics, pareil, il sort de son tank et il y va à main nue et il veut pas le tuer. Pareil avec le Joker à la fin. enfin Comment tu ne comprends pas ça je, je, je sais pas. Je vois pas comment t'arrives. Comment t'es capable de ne pas comprendre ça? C'est. Quelqu'un sur Twitter tout à l'heure qui me dit oui mais vous, les aigris qui. Euh, comment euh, je sais plus, enfin, genre il peut dire ce qu'il veut, vous les aigris. C est, c est pas... Je m'en fous. Il fait ce qu'il veut. Mais ne viens pas de. Mais un bouquin, ça a un sens. Tu peux pas dire le contraire de ce que raconte le bouquin et qu'on te dise pas non, tu dis de la merde. C'est juste pas possible. Donc moi, à la limite qui dit The Dark Knight Returns, j'ai adoré, mais j'ai envie d'aller encore plus loin. Et du coup, là où Dark Knight Returns n'ose pas ou euh, ne fait ci ou ça, moi je veux le faire différemment. Ok, ok. Mais ne viens pas me dire que c'est ce qui se passe dans Dark Knight Returns parce que c'est pas le cas c'est ça le problème. C'est non, tu ne peux pas faire dire le contraire de ce que dit un bouquin. Salut Alexandre J. Euh, ta 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 ta, donc ça c'est entre vous. Oui, le trailer m'a carrément, carrément hypé. Vraiment, je l'ai trouvé, trouvé très sympa pour le coup. Euh, salut Laura. Ah, Laura, d'ailleurs, normalement, euh, il risque de pas y avoir... Alors, non, il risque de pas y avoir samedi. Je, en fait, ce que je vais faire... Euh, bah non, demain, je ne peux pas. Non, il bah, n'y aura pas samedi le live euh, sur euh, Twitch, du coup. Normalement. Normalement, alors, ça n'a pas été confirmé, donc je ne vais pas en parler. Mais normalement, je suis invité sur une autre chaîne euh, samedi pour une émission. Euh, donc, du coup, si c'est confirmé, ça fait qu'il n'y aura pas de live euh, samedi sur Twitch. Hello, Freddy. Un peu... Merci, Théo. Merci beaucoup. Et merci à la, team... la team replay. C'est très, très cool à vous de, de, de regarder ça plus tard. Et vu que je suis avant la baston de Nigashima et que je ressens bien les longueurs, est-ce qu'il y a des dates pour le remake? Non, pas encore. Il n'y a pas de date encore pour le remake animé par Netflix. Par contre, je vous l'ai déjà dit, je répète, euh, du coup, normalement, mon interview avec euh, Shafik, qui donc travaille sur l'animé euh, One Piece, ça, ça sera le 17, qui a bossé justement sur euh, l'arc Egghead. Euh, donc, euh, tout le dernier arc, là, avec, euh, voilà, enfin, je vais pas dire pour ceux qui en sont pas là, mais voilà. Ceux qui savent, vous savez ce qui s'y passe mais euh, avec le dernier épisode, d'ailleurs, qui a la meilleure note qu'il y a eu un, un épisode de One Piece sur, euh, sur IMDB. Il est, à, il est à plus de 90%, je sais plus exactement. C'est euh, Calice qui m'a envoyé ça tout à l'heure, mais genre, c'était du 95%, un truc du genre, parce que, oui, il se passe un gros truc dans le dernier épisode avec une, une certaine transformation, et euh, juste, les gens ont adoré. Et re-hello, mon Wally, on se parlait avant sur, sur Twitter. Vu X-Men 97, c'était génial. Comment c'est Fallout? Fallout, j'ai vu le premier épisode. C'est vraiment cool. Je vais essayer de tout mater d'ici, euh, d'ici samedi, j'espère. Et de faire une vidéo dessus. Mais franchement, premier épisode, déjà, très cool. Et j'ai vu que euh, tous les avis étaient très positifs de ceux qui étaient plus loin. Donc, euh, je suis impatient de me faire la suite. Mais vraiment, en tout cas, ouais. Très, très bon, très, très bon premier épisode. Pour ma part, pour l'instant, c'est validé. C'est grave validé, ça risque d'être dans les très bonnes adaptations de, de jeux vidéo euh, qu'on a eu, vraiment. Salut Crosper, bonsoir, Joker 2 ça sera sans moi, rien m'a donné envie d'aller le voir, j'ai pas aimé le premier, pour moi il faut un Batman pour avoir un bon Joker, comme pour les CSU, je comprends. Après moi vraiment je le prends pas comme un film Joker, je le prends comme un truc à part, à aucun moment pour moi c'est un film Joker, c'est pas le Joker. C'est une vision d'un artiste. Je le prends vraiment comme certains Elseworld que j'ai adoré, qui, euh, qui des fois ont un point de vue très libre sur, euh, sur des personnages. Et pour moi, c'est vraiment ça. Mais après, si t'as pas aimé le premier et tout, je comprends tout à fait que ça puisse ne pas t'intéresser. Moi, vraiment, quand j'ai vu le trailer, autant avant, j'étais perplexe, je savais pas trop. Et quand j'ai vu le trailer, il y a vraiment ce truc de. Ça La manière dont c'est présenté direct, ça m'a mis dans cet état mental de. J'ai envie de m'asseoir dans une salle de ciné, j'ai envie que la lumière s'éteigne, et j'ai envie de me faire emporter dans cet univers-là. J'ai envie de voir ce que ça a... Ça a l'air de proposer des choses, j'ai envie de voir... Alors j'en sais rien encore, hein, peut-être que je vais pas du tout aimer le film, c'est un trailer, c'est juste un trailer. Mais... Ben, ça m'a donné envie de... Ouais, ça m'a donné envie de... d'en voir plus, et vraiment, ouais, d'aller me balader dans cet univers. Hein. Salut Barbie Noelcher, salut Sahel. Salut Ergo, salut Hello Stars, des bisous. Bah écoute, ça va très bien, j'espère que toi aussi. Euh... Tu, 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 tu. Du coup, bah voilà, je viens de répondre justement à Rindo. Ouais, j'ai vu le premier épisode en tout cas, et vraiment cool. Franchement, j'ai vraiment bien aimé le premier épisode. Ça respecte bien l'univers, les personnages, franchement, ça peut être intéressant. Je suis très curieux. Il n'y a que moi qui trouve, par contre, que le petit frère de, de l'héroïne, on dirait Zemmour en plus il y a ce côté tout faible y a vraiment <laughs> je suis désolé je vais pas faire la politique ou quoi mais il a vra... vraiment il m'a trop fait peur il y a un moment j'ai tilté et vraiment je voyais Zemmour après en mode tout je vais me cacher, il y a un problème je vais tout de suite aller me planter je sais pas, il a une tête il a vraiment un truc à la Zemmour je trouve c'est terrible euh, ils ont eu de la chance d'avoir vu les bandes annonces de Ballerina et Sonic 3 ah cool 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 salut pas tout à coup Salut Spider-Man. Pour, pour Superman, t'en penses quoi du choix de mettre encore l'Exclutor en méchant principal C'est l'Exclutor. C'est l'Exclutor. Euh, alors, euh, déjà en plus. Euh, alors, tout le monde sera pas d'accord. Mais pour moi, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un bon euh, Lex Luthor en live action. Euh, sachant que je ne juge pas de celui de la série CW, parce que j'ai pas très peu regardé euh, la série. Mais. Pour ma part, et je ne juge pas des goûts des autres, pour ma part, j'ai besoin de me laver les yeux de de Jesse Eisenberg. Tu vois, c'est pas comme Joker où là, pour moi, on a eu quand même des très bons, euh, des très bonnes versions euh, assez récemment. Je parle surtout de Nolan pour le coup. Euh, côté Lex Luthor, en live action, ça remonte une vraie bonne bonne interprétation de Lex Luthor. J'ai envie de dire pour moi ça remonte à Smallville quand c'est j'en vois pas d'autres en live action vraiment excellentes euh, depuis euh, depuis Smallville en vrai quand donc ouais non c'est je t'avoue que là ouais au contraire je suis plutôt en manque d'un bon Luthor parce que moi j'ai pas du tout aimé celui euh, de Eisenberg. et très bien pour ceux qui ont aimé c'est super cool je suis content pour eux moi c'est pas mon cas donc, c'est vrai que euh, je suis content d'en de, ouais, avoir un qui, j'espère, sera, sera bien pour le coup. Je ne peux pas encore savoir. Mais c'est trop tôt pour juger. Mais voilà, j'ai envie d'un bon Lex Luthor sur grand écran. Ah, trop bien, je serai là demain parce que j'ai bien chialé à la fin. Ah, et franchement, il était, il était ouf. Je m'attendais pas à ça, il était vraiment ouf. Quoi. Salut Jessica. Et non, 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 pas de spoil ouais, sur l'épisode 5. Euh, bah carrément Freddy, on en parlera demain avec grand plaisir. frénétiquement la destruction de ma tombe. <laughs> Donc c'est la connerie effectivement. Ça m'a fait rire. Euh, ah, t'es mitigé. Donc ça j'ai répondu. Salut Leftwolf. Attends quoi Je n'ai vu que les trois premiers. On m'arrivait à la relation Stormforge. Et là tu me parles du début du run de... Bah oui, oui. Mais c'est du génie cette série. Mais complètement, il ont qu'à par cœur. Complètement. Complètement. Je... Voilà. Je ne sais pas si tu as compris quoi, ou... mais oui, tu verras. Il y, du... y a du Morrison. Ils ont mis du Morrison là-dedans. Que penses-tu de la nouvelle série Rose hum. hum. C'est encore dans les trucs. Est-ce qu'il faut, quand qu faut... Parce que ça a l'air vraiment d'être une suite. Pour le coup, c'est vraiment une suite, il semblerait. Et j'ai adoré Rose. J'ai adoré Heroes, vraiment. C'est une série que, que j'ai surkiffé. J'ai même été jusqu'à regarder la euh, comment J'ai même été jusqu'à regarder la euh, Heroes Reborn. Mais euh, non, Heroes, c'était incroyable. Toujours pareil. On pourra juger quand on verra, mais c'est pas. Euh, ça fait un peu peur quand on voit ça. Ça fait un petit peu peur. La dernière série du genre que j'avais aimé euh, un peu dans le même esprit et qui a eu une nouvelle version et qui. Euh, Personne n'en a parlé et ça a vite été oublié. C'est les 4400. 4400, pareil, c'était une série que j'adorais à l'époque. Je me l'étais refaite il n'y a pas si longtemps en plus. Et euh, il y a eu une nouvelle version. Et euh... Code Quantum Qui parle de Code Quantum Personne. Je sais pas. On verra vraiment. On verra. Je suis un peu euh, perplexe. Assez perplexe. Oui, c'est vrai qu'il y avait Zachary Levi dans Heroes Reborn. C'est vrai, c'est vrai j'adore le travail de Kirkman et apparemment il est pas cool avec ses collègues non plus ouais alors après attention il n'y a pas cool et pas cool hein. euh, Kirkman c'est surtout un problème d'effectivement la manière. je sais pas comment il est euh, vraiment euh, au quotidien avec ses collègues j'imagine que ce, donc, ce à quoi tu fais référence c'est le côté des artistes euh, avec qui il y a eu des soucis au niveau de au niveau de comment dire, au niveau financier quoi, au niveau de l'argent c'est là-dessus, effectivement, qu'il y a une mauvaise réputation, où il y a eu des problèmes, alors que ça s'est réglé il n'y a pas longtemps déjà avec un des artistes. Mais c'est vrai qu'il y a eu des soucis là-dessus par, par rapport à Kirkman. Salut Blix. Ai... Après, c'est différent de quelqu'un qui, vraiment, au quotidien, rend les conditions de travail impossibles pour ses, euh, pour ses collègues. J'en ai parlé dans le dernier... Si c'est vrai, encore une fois, par contre, euh, je n'ai pas de preuves ou quoi, c'est ce qui se dit. Je n'ai pas... aucune preuve là-dessus, j'y étais pas. J'en ai parlé dans le dernier live pour Heroes en disant que ce que j'aimerais voir commencer une série. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah oui, du coup, bah t'as été exaucé, t'as carrément été exaucé, euh, parce que X-Men 97 est faite par des gens fans du dessin animé des 90s et des comics et en live action on attaque à oui. Bah oui, 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 justement, euh, beau euh, beau de Maillot là qui racontait que pendant la pandémie, justement, il se refaisait euh, la vieille série des X-Men parce que ça lui faisait du bien et tout ça. Enfin, oui tu sens qu'effectivement, euh, il était réellement fan, pour le coup. Et j'aime beaucoup. On en parlera demain, encore une fois. Mais dans ce qu'il dit, c'est hyper intéressant. Ça rejoint des choses dont on a déjà pu parler ici, euh, vu que je suis très... Euh, vu que je suis quelqu'un de très porté sur l'écriture et tout ça. Et il rejoint totalement des choses que j'ai dites à des moments par rapport à ça. Et ça m'a fait plaisir. Ou euh, dans le truc qu'on verra demain euh, qu'il a dit... Il explique vraiment à quel point il a pris des, des choses personnelles, il a pris des choses, des événements qui lui l'avaient travaillé, des choses qui l'avaient traumatisé lui, qu'il avait. Et en fait, il a réussi à faire ce qu'on doit faire quand on écrit les X-Men, c'est-à-dire à le rendre universel. À pas juste parler pour lui, à pas juste parler en tant que, que groupe concerné, particulier, mais vraiment l'écrire d'une façon où toute personne. Qui peut à un moment avoir ressenti ce même genre de choses <coughs> peut s'y reconnaître. Et ça fait partie de la DNA des X-Men. Normalement, ce côté-là de vraiment d'universalisme, où chacun, c'est ce, ce que faisait le film, c'est ce que faisaient les films à l'époque, où vraiment il y avait ce côté de tout groupe qui à un moment a été ostracisé peut se reconnaître là-dedans. Et je trouve qu'il a très bien réussi à le faire. Et vraiment, quand on lit ce qu'il en dit, d'où c'est venu, et comment il a réussi à s'en servir, je trouve que pour le coup, c'est ce qu'est censé savoir faire un bon scénariste. Et c'est pas, vraiment pas toujours le cas. Et donc là-dessus, je suis assez... Euh... Là-dessus, je respecte le taf qui a été fait, vraiment. Comme par hasard, je débarque au moment où on parle de Ton Snyder. Ben Aujourd'hui, c'est un peu telle la journée, ouais, effectivement. Salut valèle Ouais, il faut qu'elle interdise les questions sur DC, non mais c'est ça. Non, parce que vraiment, le problème, c'est que ouais, tous ceux qui... Euh... Déjà, il y a tous les. Vraiment, enfin, je pense que c'est peut-être ma timeline, hein, c'est l'algorithme et tout ça. Mais je me coltine vraiment tous les tarés, hein, les extrémistes fans de Snyder, qui vraiment, mais tous les jours, 15 fois par jour, postent là-dessus. Et c'est trop triste, en vrai, c'est hyper pathétique. Tu te dis, mais c'est quoi leur vie Ça fait combien d'années en fait que c'est passé? Et tous les jours, ils parlent encore de Man of Steel, ils parlent encore de ceci, de cela. T'es là en mode, mais les gars, quoi, c'est quoi votre vie, en fait Vraiment, j'ai même plus envie d'être désagréable ou quoi que ce soit avec eux, parce qu'ils me font de la peine au final. Sincèrement, vraiment. C'est vraiment, ils me font de la peine. Je me dis, leur vie doit être horrible, quoi. Pour en arriver à être là tous les jours là-dessus, à vouloir transformer tout ce que dit Gun, tout ce que machin. Et pareil, s'il y a des gens qui euh, disent des saloperies anti-Snyder, ou qui sont trop à fond sur Gun ou machin, je dirais la même chose. Hein. Mais c'est une question, genre, sur d'algorithme, non, hein, je dis pas le contraire. Mais vraiment, je me tape tous les tarés, quoi. C'est. Et encore une fois, hein, quand je dis ça, heureusement, je connais plein de fans de Snyder qui sont excellents, avec qui on peut discuter, tout ça, il n'y a aucun souci. Évidemment, c'est une majorité. De la qu'il y en a beaucoup qui ont quitté la fandom justement parce qu'ils en avaient marre de se faire euh, mettre dans le même groupe que les quelques tarés. Mais wow, ils, sont, ils sont hallucinants encore. Oui, Rebel Moon, semaine prochaine. Effectivement. J'avoue que franchement, ce ne serait pas pour la chaîne. J'attendrai euh, les deux versions complètes. Franchement. Ça serait pas parce que forcément je ferai une vidéo sur la chaîne. J'aurais vraiment attendu euh, la version, les deux versions complètes. Je me serais pas fait chier à regarder, euh, à regarder un bout de film. Euh... Ouais non, c'est vraiment parce que voilà. Honnêtement, vraiment c'est, euh, je le ferai pas sinon. D'ailleurs, il faut vraiment que j'aille voir. J'ai pas eu le temps pour l'instant, mais il faut que j'aille voir euh, Ghostbusters aussi pour en faire une vidéo puisque j'ai envie de le voir. Mais euh, ouais, je vais essayer de faire ça très bientôt. Mais euh, mais ouais. Euh... J'ai pas compris Alexandre. G. Tu connais, j'imagine, tu une... qui une... une chaîne qui avait fait des, euh... qui avait des fancasts de super héros là. Ah il yeah. y a, yeah. il y a. C'est pas tu connais enfin, je... redis-moi Alexandre. Je pense qu'il y a un truc que j'ai pas calé mais euh... redis-moi. Hello Loringo! Ringo. Mmh, mmh. Oui, c'est ça, Dave, libère le démon renard en toi, lâche cubier, des défon... Non, mais j'ai aucune envie de défoncer Snyder. En vrai, j'ai aucune envie de défoncer Snyder. Moi, c'est un mec qui me paraît plutôt sympathique de base, mais après, même un pote, hein. si un pote dit de la merde à un moment, je lui dirais que tu dis de la merde. C'est. Même si c'est mon meilleur ami, c'est pas pour ça que je vais pas lui dire non, là-dessus, tu dis une grosse connerie, poteau. Et Snyder, j'ai vraiment rien contre lui. Je suis sûr que je passerai un très bon moment à discuter avec juste quand il dit de la merde bah je vais pas dire mais c'est pour ça en plus j'ai même pas voulu c'était freddy sur twitter qui me demandait euh, qui me disait justement je sens que tu vas faire une vidéo là-dessus et justement ce que je lui ai dit c'est non je vais pas en faire une parce que j'ai pas envie de devenir une de ces chaînes qui fait 40 vidéos sur un même mec juste pour faire des coups de gueule surtout que j'ai pas une envie particulière de faire des euh, des coups de gueule sur lui c'est c'est pas mon délire c'est pas mon délire, j'ai pas envie de venir. c'est comme les chaînes qui faisaient 40 vidéos sur Brie Larson, ou 40 vidéos sur un sur tel ou un tel, c'est pas mon truc. Donc, oui, j'en parlerai dimanche, évidemment, parce que ça fait partie des. Ça Mine de rien, ça fait quand même partie des news. Mais par contre, je vais pas faire une vidéo là-dessus avec euh, une photo dessus en mode je suis pas content, avec écrit en rouge Snyder, machin. Non, je vais pas faire ça. Mais oui! Par contre, quand, il, quand je trouve qu'il dit de la merde, je dis qu'il dit de la merde. Et d'autres fois, par contre, je trouve qu'on l'attaque, on l'attaque à tort. Sur l'histoire de euh, ce qu'il avait dit par rapport à Barbie, sur le nombre d'entrées, euh, comment dire Sur le nombre de gens qui ont vu son film par rapport aux entrées de Barbie, ça par contre, c'était une attaque merdique. Parce que si on écoutait l'interview du Rogan, c'était pas du tout ce qu'il disait. En vrai. Et ce qu'il disait avait complètement du sens. C'était, en gros, c'était... Il mettait juste en avant le fait que Netflix, c'était un système incroyable qui faisait qu'ils avaient tellement fait leur taf, eux, en amont. Netflix, pas lui, que Netflix avait tellement réussi à se développer et tout ça, que ça permettait à son film d'être vu par bien plus de monde que le nombre de gens qui se déplaçaient en salle pour aller avoir vu Barbie. Mais en disant ça, lui, ce qu'il mettait en avant, c'était Netflix et le système qu'eux avaient mis en place. Il n'était pas du tout, comme plein de gens l'ont présenté, en train de dire. « Ouais, moi, mon film... Plus... » et Parce que ça a vraiment été présenté comme ça, en mode « Oui, euh, moi, mon film, s'il avait été au ciné, il aurait fait plus d'argent de Barbie que Barbie parce qu'il y a plus de gens qui l'ont vu. » C'est pas du tout ce qu'il dit. C'est pas du tout ce qu'il dit. Vraiment pas. Sauf que les gens ont pas regardé l'interview et c'est facile d'attaquer Snyder et donc tout le monde y a été. Mais donc, c'est pour ça. Je veux avoir une euh, honnêteté intellectuelle par rapport à ça. J'ai aucune raison de, euh, de l'attaquer. Encore une fois, moi, je le trouve très sympathique, Snyder. Vraiment. Donc... Euh... Mais quand il dit de la merde, ça ne m'empêchera pas de dire de qu'il dit de la merde de la même manière que si Gunn dit de la merde, je dirais qu'il dit de la merde. Quand j'ai pas aimé Peacemaker, j'ai pas aimé Peacemaker. Pouf, je m'en fous que soit Gunn derrière. Si j'aime pas, j'aime pas. Euh, Batman utilise des balles que je... oui. Donc c'est ce que je disais. C'est dans son tank, le même tank qu'on voit d'ailleurs dans euh, Justice League. Mais euh, mais à ce moment-là, oui, contre les mutants, c'est des vraies balles. Alors que Batman tue un Morlock et du coup il est mal vu par les X-Men, j'ai très bien compris. Après Batman enferme Beast pour le tuer dans Batman Chronicles, donc bon. Ah oui, que euh, Beast. Oui, 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 oui mais qui arrive à s'échapper en réalité. Mais, oui, parce qu'effectivement il y a un Batman Chronicles où euh, il l'enferme dans une pièce, dans une espèce de truc dans les égouts, effectivement. Après qu'il a essayé de tuer le président. Le dessinateur Tono qui s'est surpassé sur l'Amazing Spider-Man de, de mercredi. J'ai pas encore euh, j'ai pas encore regardé. Mais alors euh, du coup, tu, tu parles du Amazing de, de Wells. C'est rigolo parce qu'il y a Nick Lowe, donc l'éditeur de du, du Amazing Spider-Man, justement, qui a fait un tweet en disant euh, oui, le numéro 50 qui correspond au 944 en numéro Legacy va être le meilleur comics de tous les temps et au moment où j'ai vu le tweet il y avait 78 réponses sur 78 il y en avait 3 de positives <laughs> tout le reste c'était ouais, foutez de notre gueule c'est de la merde <laughs> vraiment tout le reste c'est mais après ça se vend, ils se vendent très bien Amazing Spider-Man donc euh, ils s'en foutent hein ouais celui de ouais, bah, alors écoute, si tu l'aimes bien ce run il semblerait que le numéro 50 va être incroyable selon les dires de, 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 de l'éditeur salut du you Know I Feel Ouais, ouais c'est vrai, il fallait pas le lancer. Et ça, tu étais d'accord Oui, Spina juste pour être l'avocat du diable. C'est pas que j'étais d'accord, parce qu'on est, on est dans une époque, on est dans des, dans des changements par rapport, à, par rapport à Batman. Après, oui, non, c'est vrai que j'aime pas non plus quand il fait ça. Mais bon, là, c'était vraiment, il était euh, comment Il était euh, surpassé par euh, par KGBeast. Mais non, je suis pas fan non plus, euh, effectivement, de l'idée qu'il fasse ça. C'est le mythe du Batman tueur. Euh, donc ça, j'avais répondu. Non, mais ça filmo même pas. J'ai toujours dit, hein. j'adore Watchmen. Vraiment. Mais parce que, après, Watchmen, ça correspond à ce qu'il aime. C'est la déconstruction, c'est ce côté euh, violence sécu. Il y, y a tout ce qu'il aime. Donc, il n'avait pas besoin de le, de le dénaturer. Le problème, c'est que tu ne fais pas du Watchmen avec tout. C'est là qu'il y a un souci. Après, c'est facile. De hein. toute façon, quand on écoute les interviews, maintenant, j'ai compris. C'est vraiment parce que lui, il veut faire du métal hurlant avec tout c'est tout, euh, Heavy Metal euh, pour la version américaine mais en fait c'est qu'il était hyper fan de Heavy Metal gamin et depuis pour lui un comics ne peut pas exister s'il n'y a pas du cul dedans euh, et des morts c'est ce qu'il dit dans l'interview de Rogan en gros, c'est que s'il n'y a, a pas de sexe et, euh, et s'il n'y a pas de mort, ça ne l'intéresse pas et ouais ok c'est cool, mais ça colle pas avec tous les personnages c'est ça le truc et sur Twitter et... ça limite un côté inquiétant parce que il y a plein de gens qui disent « Oui, mais regardez, Harley Quinn, ça n'a pas choqué le fait qu'elle couche avec le dictateur, machin. » Oui, mais Loulou, si tu comprends pas qu'en fait, tu n'écris pas tous les personnages de la même manière, tu as un vrai souci sur ta capacité à comprendre les médias auxquels tu es confronté. C'est quand même assez hallucinant. Ou j'avais vu quelqu'un qui disait « Oui, mais dans Highlander, machin. » Mais tu écris par rapport à un personnage. Tu fais pas la même chose avec tous les persos. Comment on peut ne pas intégrer ça Comment on peut croire que parce qu'un truc marche avec Harley Quinn, ça veut dire que tu peux le faire avec Wonder Woman C'est. Enfin, c'est bizarre. C'est quoi leur rapport aux médias, ces gens-là Enfin, à quel point ils. C'est pas pour être désagréable ou quoi, mais je me demande vraiment à quel point ils ont la capacité de comprendre ce qu'ils lisent ou ce qu'ils voient. Enfin, il y a un côté un peu flippant quand même. Non, ouais, enfin, c'est vraiment. Encore une fois, moi, les seuls qui m'emmerdent, c'est dis ce que j'appelle les, 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 les vraiment les cinglés. À côté de ça, il y a plein de gens qui sont fans de Snyder et qui sont très cool et, et il y a zéro souci. J'ai pas un problème avec les fans de Snyder. J'ai un problème avec les, avec les cinglés. Mais comme dans toutes les fandoms, et il y en a dans toutes les fandoms. Il y a des cinglés dans la fandom de Star Wars. Il y a des gens. Là, il y a pas longtemps, les réactions des cinéphiles avec le trailer de Joker 2. Pareil, il y en a qui m'ont saoulé, qui sont trop extrêmes dans leur délire. Il y a des extrémistes dans tous les trucs. C'est pas que chez Snyder. Le meilleur moment du Batman de Zadarsky pour moi, quand le Batman de TDKR dit J'ai jamais pu biaiser ah, C'était pas mal. Il tue pas le Joker. Oui, exactement. Exactement. Il le blesse grièvement, mais, euh, mais c'est le Joker qui se tue lui-même pour faire porter le chapeau à, à Batman. Bah, Didi Mac je pense qu'il n'a pas lu beaucoup de DC, en fait. Il a lu Dark Knight. Je ne sais même pas s'il a lu les suites, parce qu'il n'en a jamais parlé. Je ne pense pas qu'il ait lu les suites. Il a lu 300. Je pense qu'il a surtout lu du, euh, du Frank Miller, parce que c'est ça qu'il aime, c'est Frank Miller. Il a lu du Frank Miller et beaucoup de heavy metal. À côté de ça, euh, je ne sais pas trop ce qu'il a lu, en vrai. Batman tué dès, le premier, euh, dès les premiers épisodes, mais c'est vrai que les différentes euh, redéfinitions du personnage ont changé avec le temps. Bah oui, et puis surtout quand tu prends l'exemple de TDKR, et que justement le mec, 40 fois dedans, répète qu'il ne veut pas passer cette limite, qu'il s'interdit de tuer, enfin il le dit noir sur blanc, c'est pas un truc de comprendre un sous-texte ou machin, c'est juste de savoir lire. Il suffit de savoir lire. Je veux dire, ça demande pas un effort incroyable. C'est écrit noir sur blanc qu'il ne veut pas tuer. C'est quand même, enfin voilà, c'est pas demander l'impossible, en vrai. Je sais pas. Donc le Batman sur Game Boy sorti en 89, Je suis désolé mais Batman se sert d'un flingue donc il tue. Je <laughs> crois pas que j'ai joué celui-là. Le premier jeu, je crois que j'ai joué au premier jeu Batman d'ailleurs, qui était celui qui était sorti sur euh, sur Amstrad CPC. J'ai commencé sur celui-là. Hein. C'était vraiment le... le truc en 2D évidemment, euh, tout pourri. Je lance un sujet, je repars. Les bouches d'égout de la Villette, entre trahison et résurrection, vous avez deux heures. <laughs> Salut, Captain Dombino. Euh, oui, dans les années 40, tout à fait. Et encore assez peu, en réalité, uh, Isoka Parker. C'est beaucoup moins que certains essayent de le dire. Et c'est arrivé assez vite, le fait de plus le tuer. Et même si c'était sur demande de l'éditeur, en réalité, uh, Finger était carrément d'accord. Et il avait même regretté de ne pas avoir insisté là-dessus plus tôt. Et, euh... Et ouais, ouais, il était carrément OK, justement, pour qu'il arrête de tuer. Donc, c'est moins qu'on le croit... Il a un peu tué au départ, mais moins qu'on a tendance à le penser, en réalité. Tu penses que James Pistolet va balancer le costume de Superman le 18 avril pour la Superman Day C'est... C'est faire du hasard, hein. C'est enfin, vraiment faire un pari. Est-ce que je le pense J'ai aucun moyen de le savoir. Euh c'est une possibilité s'il veut éviter les risques que ça, ça leak, au lieu de faire une annonce officielle euh, avec le tournage et tout ça c'est possible qu'il fasse ce choix effectivement mais maintenant je peux rien euh, je peux rien garantir c'est je suis pas une de ces pages Twitter qui te dit euh, oui alors j'ai entendu j'en sais rien du tout j'espère moi si on peut le voir euh, bientôt euh, je suis content je suis content donc euh, je peux pas dire si ça arrivera mais je l'espère en tout cas clairement mais dans l'arc d'un deuil dans la famille, Batman laisse mourir le joker, même s'il survit. Oui. Mais après, encore une fois, c'est pas une question. c'est plus une question d'exécution, à chaque fois. C'est vraiment plutôt une question d'exécution. Tu peux faire la même chose dans différentes œuvres, et que ce soit plus ou moins accepté selon la manière dont tu le fais. Et quand Snyder parlait du fait de mettre Batman devant des choix impossibles et que c'était ça qui était intéressant, je suis pas contre l'idée. Et je ne trouve pas que c'est débile ce qu'il dit. Le problème, c'est que concrètement, c'est pas du tout ce qu'il a fait, à aucun moment il l'a mis devant des choix impossibles. Aucun. Un choix impossible, c'est ce que fait Nolan. Quand il doit décider entre les deux à sauver. Et même ça, alors qu'il n'est pas vraiment responsable, il va quand même assumer le tort derrière. Et moi, c'est ça mon problème. C'est que c'est bien beau de tenir un discours de oui, mais il faut qu'il y ait des choix impossibles, sinon c'est pas intéressant, machin. Il y a zéro choix impossible. Dans ces films, zéro. T'as juste un mec qui choisit la facilité, qui va à la, à la mitrailleuse sur la route pour buter les, des hommes de main. Il euh, y a aucun moment où il est mis devant un choix impossible. Un choix impossible. Et pour le coup, c'est pour ça que j'ai aucun problème avec ce qu'il a fait là-dessus. C'est Superman avec Zod. Superman avec Zod, avec cette famille qui est en danger, avec Zod qui a promis que de toute façon son but c'était d'éliminer tous les êtres humains. Ce Superman, avec peu d'entraînement, là, ça un choix. là ça, il est devant un choix impossible. Et le fait qu'il prenne cette décision-là, je l'accepte. Je l'accepte. Parce que c'est un Superman qui débute, qui se retrouve devant une situation terrible, qui n'est pas sûr de ce qu'il doit faire. Ok, il doit apprendre. Et sur ce moment, je la comprends, cette décision. Donc, j'en ai, ai jamais voulu là-dessus. Sur Batman, c'est pas le cas. Tu as juste un taré qui marque au fer rouge les criminels. Ça n'a aucun rapport. Il y a zéro moment. à chaque fois, je demande aux gens, dites-moi, ceux qui défendent ça, ok, dites-moi le moment où il y a un choix impossible à faire. Dites-moi le moment. Ça n'arrive pas. Il n'y a pas de choix impossible. Tout pourrait être réglé autrement. Tout. Salut Falcon. J'adore la classe de Gambit dans 1997, un peu séducteur avec Rago. Ouais, complètement. Il est très, très cool. C'est CG qui est content là. C'est Siji qui est très content comme Guardian. Tu as vu la news ils ad... Oui, ils adaptent Tortue Ninja, l'astronine en live action. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, du coup, je... pour le coup, ce que je disais à Ringo, je crois, justement, du coup, je suis désolé pour, les... pour justement les... 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 vraiment les fans de Snyder qui veulent s'en tenir aux histoires de boycott et tout ça, parce que c'est produit par Amada. C'est Paramount et c'est un projet qui a été qui est amené par, par Walter Amada, justement. Donc, logiquement... S'ils sont euh, honnêtes et, et droits dans leurs bottes, ceux qui vraiment. Euh, attention, je parle encore des extrémistes. Hein, ils n'ont pas le droit de voir Tortue Ninja, du coup. Parce que ça sera produit par, par Walter Amada. Mais non, non, le projet peut être intéressant. Il y a un jeu vidéo, d'ailleurs, ça, on le sait depuis un moment, hein, dans le délire. Euh, dans le délire. Euh, comment Attends, j'ai déjà 25 minutes de retard sur le chat Waouh mais euh, du coup, je regarde en même temps le chat en direct hein, en même moment. Mais euh, mais ouais, ça peut être intéressant, ça peut être cool. Qui sera irréticent -E Ça a été précisé. Du coup, effectivement, là, ouais, comme tu le dis, ça sera irréticent -E en plus. J'ai toujours pas commencé X-Men x C'est une série pour les faibles. On préfère BVS ici. Gambit le goat. Mais oui, j'ai vu le roster de, du comic X-Force. Je ne suis pas emballé, mais je vais attendre la sortie pour le lire. À part forge des poulets. Bah là, j'ai juste vu que ça serait euh, Stephanie Phillips. Qui va écrire le titre, euh, le titre sur euh, comment sur euh, J'ai vu ça, j'ai vu que c'était Stephanie Phillips qui allait l'écrire. J'ai vu aussi que Marvel va sortir des watifs Disney. Euh, en gros, si euh, je crois que le premier c'est si Donald était Wolverine. Et genre vraiment la couverture, c'est Donald en costume de Wolverine du coup. Et donc là, ils vont sortir plusieurs euh, watifs comme ça de personnages de Disney. Euh, Super-héros euh, Marvel. Par contre, l'humour est très beau pour Fallout. Écoute, dans le premier épisode, ça va. Faut voir pour la suite. Dans le premier épisode, ça allait, euh, ça allait encore. C'est quand que je deviens modérateur d'ailleurs. Hey, tu l'es déjà sur Twitch. Tu l'es devenu sur Twitch. Mais effectivement, ça peut se faire. Hein. Ça pourra se faire sur, euh, sur YouTube. Mais euh, bah, j'y peux rien. Vraiment, je trouve qu'il lui ressemble. Je suis impatient de voir le film de Nikki Larson. Ouais, ça a l'air cool. La BA était vraiment cool et vraiment ils ont l'acteur et le film vraiment le côté où ça respecte le et le côté hyper badass de Nicky Larson et ce côté où d'une seconde à l'autre il peut devenir absolument ridicule c'est hyper bien amené dans le dans le trailer et du coup je suis vraiment impatient dans le trailer de Joker j'ai trouvé que j'ai trouvé moi que Lady Gaga a un côté Harley Quinn mieux que Margot Robbie c'est deux versions très différentes très très différentes c'est c'est difficile de comparer les deux je pense que les deux peuvent avoir leur leurs qualités et leurs défauts mais euh... mais ouais, c'est. Je pense que les. Moi franchement, j'en attends beaucoup les Lady Gaga pour le coup. Vraiment, je pense qu'elle peut être, hein, qu'elle peut être très bien. Ne mets pas Blix modo, ma joie de chaque live, c'est de le menacer de le. <laughs> ok, je comprends pourquoi Blix veut devenir modo d'ailleurs. Je comprends mieux. Non, Zemmour jeune, tout le monde sait que c'est Timothy Chalamet. Putain, bon, c'est beaucoup trop sympa pour hein, pour Zemmour. Le truc, c'est qu'il faut que l'excluteur soit le méchant principal, mais en fil rouge, oui qu'il perd pas lex à la fin de la série. Mais euh, oui, 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 Pour moi, oui, tu le gâches pas au premier film. C'est clair. Il faut que ce soit un peu l'homme de l'ombre qui, euh, qui organise les choses. Bah, ouais, on n'a jamais eu un vrai, vrai, vrai lex Luthor au ciné, pour le coup. Je suis d'accord. Hein. Je suis assez d'accord. Euh... Tout, tout, tout... <laughs> <'est là> <laughs> bah, moi, j'ai détesté, en tout cas. Après, encore une fois, hein. ceux qui ont aimé, c'est cool. Hein. Voilà, chacun ses goûts. Tu euh, ouais, t'as compris du coup, Yoka en parlant des gris, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Samuel. Euh, bah, je l'ai eu sur Twitter aujourd'hui d'ailleurs. Je l'ai eu sur Twitter aujourd'hui. On ne peut pas reprocher un film Superman de mettre l'excluteur dedans. Bah, C'est autant un personnage secondaire qu'un super vilain classique pour moi. Tu vois, en, en ce moment, on est beaucoup à voir un ras-le-bol du Joker par exemple. Mais encore une fois, parce qu'on a beaucoup vu le Joker ces derniers temps, parce qu'on a eu euh, des versions qui étaient déjà très bonnes et que bon. Mais, euh, mais l'excluteur, non. j'ai pas ce côté-là pour le coup. Ouais, Kevin, bah, Kevin Spacey. Kevin du coup, voilà, c'était vraiment une redite de, c'était la continuité de Dean Ackman, qui déjà était un certain Lex Luthor, mais qui n'est pas le Lex Luthor que j'ai envie de voir en live action, le Lex Luthor qu'on connaît maintenant depuis longtemps. Il correspond à, à une ancienne version de, de Lex Luthor qui a existé, hein, qui a existé dans les comics. Je dis pas le contraire, mais c'est pas la version que j'ai envie de voir. Mon dernier bon lutteur est dans Superman, l'ange de Métropolis. Oui, bah oui, incroyable celui-là. C'est hein, pour ça que j'ai bien précisé live action. Parce que sinon, effectivement, celui de l'ange de Métropolis, il est clairement sur le haut. Oh, oh, oh. Surtout la VF, avec la voix de Stallone, il est incroyable. Pour le coup, là, la VF, elle est merveilleuse. Il n'y avait pas de meilleure idée que de lui mettre la voix de celui qui fait, qui fait Stallone. Hero, c'est une série qui était vraiment géniale, qui est vraiment très très cool. Est-ce que ça va s'appeler Heroes97 hein Bonne question. Salut, allons-y, Alonso. En vrai, l'Exclutor, c'est déjà mieux que l'ingénieur Ultraman Oui. Euh, J'ai vu un épisode de Heroes j'avais l'impression de voir les X-Men. C'est un peu ça. Hein il y a un peu ce côté-là. La tentative de retour de Prison Break aussi. Par contre, la saison récente de Dexter était bien sympathique. Il paraît. Je ne l'ai pas vu, mais effectivement, il paraît pour Dexter. Ouais. Bonsoir, Bouds! Ça fait un moment que je ne me suis pas passé sur tes lives. Ça me manque. de de te retrouver ce soir. Bah ça fait super plaisir, Boot. Bienvenue, en tout cas. Des bisous à toi. Euh, oui, il faut... Ah, oh, commence pas. Hein. Heroes Rebirth n'était pas mauvaise. Le seul truc dommage, c'était que ça devait être une conclusion, mais qu'ils ont mis en kiffant dur à la fin. Ouais, c'est ça, toujours vouloir, en... toujours vouloir en faire plus. Allez, j'avance un petit peu, histoire de vous rattraper. Euh... Ah, elle a été annulée. Ouais, bah voilà. Et vraiment, c'était une série... J'adorais Code Cantou. Vraiment, j'adorais ça. Salut, l'araignée sympa. Bonsoir, j'ai trop hâte de commencer à lire les comics Transformers. Et la semaine prochaine, je vais commencer X-Men 97. J'attendais que la moitié de la série soit disponible pour la regarder. Transformers, ça va être trop bien. Mais en plus, pour ceux qui ne savent pas, du coup, comment ça va se passer la sortie des comics Transformers en France Il va y avoir en tout... En fait, il va y avoir plusieurs covers. Je vois, je vois ton message, Laura, à 21h20. Et ça va, il est 21h. Et oui, je suis toujours à 20h58 sur mes. Oui, d'accord. Effectivement, je suis un peu à la bourre. Mais je me suis rattrapé tout à l'heure, j'étais à 25 minutes. Du coup, Transformers, il va y avoir une couverture normale, classique. Et il va y avoir, des... comme ils avaient fait avec Miles Morales, côté Panini, il va y avoir des, 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 des covers, des comics qui seront dans un sac où on ne verra pas la cover. Et là-dedans, il y aura trois variantes de cover une à 1000 exemplaires, une à 600, je crois, et une à 50 ou 60. Mais surtout, il en aura trois qui seront à la base des couvertures vierges, totalement blanches. Et les trois-là, en fait, la couverture, ça sera directement dessinée à la main par euh, Daniel Warren Johnson. Donc, celui qui écrit et dessine justement euh, Transformers. Celui qui a fait Wonder Woman Dead Earth, qui avait fait euh, Beta Bill, euh, qui a fait euh, Do a Power Bomb. Et donc, ouais, il y a trois couvertures. Dans tout ça, où ça sera de, des vrais originaux dessinés directement par Daniel Bryan Johnson. C'est clair que ça fait envie. Ça fait envie. Même tout à l'heure, j'avais un pote américain, justement, sur Twitter, qui était ouf en mode Mais vas-y, on, on, vas on va braquer les camions. Quoi. <laughs> Il nous les faut, évidemment. Euh, les comics qui sont actuellement aux États-Unis vont venir ici bientôt pour X-Men 97. Euh, oui, j'ai vu qu'il y avait déjà une issue qui était sortie, justement. Les extrémistes parlent plus de Snyder que leurs propres amis. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Je ne sais pas ce que c'est leur vie, mais, hein. mais c'est flippant de ouf. Hein. C'est flippant de ouf. Euh... Et bien, je ne sais pas si c'est à moi que tu parles, mais au cas où, ça va Ah non, c'était à... Oui, à Laura. Tu penses quoi de l'actrice Sidney Sweeney Qu'elle a l'air très intelligente, qui a l'air très, très maligne Elle a l'air de savoir ce qu'elle fait, de savoir bien gérer sa carrière de savoir se provoquer les, les opportunités qu'il lui faut, de savoir comment se comporter avec les médias, comment bien communiquer. On sent que, OK, tout le monde la juge sur son physique, et effectivement, euh, voilà, elle a le physique qu'elle a, qu a, mais euh, elle va grimper. Elle va grimper parce qu'elle a l'intelligence de, 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 de savoir exactement comment gérer sa carrière. Et après, en tant qu'actrice, de ce que j'en ai vu, ça va. J'ai pas vu beaucoup beaucoup d'elle, mais, euh, mais écoute ça a l'air plutôt correct. Faudrait vraiment que je la vois dans un truc que j'aime. Enfin, faudrait que je la voie avoir l'occasion de comment dire. Enfin voilà, un rôle qui vraiment transcende. L'avoir avoir l'occasion vraiment de montrer ce qu'elle sait faire. Il y a certainement des choses où elle le fait où je ne l'ai pas vu. Déjà, j'ai pas regardé moi la série euh, euh, Comment ça s'appelle, c'est euh, Euphoria. J'ai pas vu ça, moi déjà. Le tri, je suis pas, ce n'est pas mon délire de série du tout. Ce pas pas des thèmes qui m'intéressent hein, ou quoi que ce soit. Mais par contre, non, ce que je remarque, c'est vraiment par rapport aux différentes interviews et tout ça, elle sait ce qu'elle fait. Elle sait, c'est une anti, euh, là-dessus, je trouve, qu sans vouloir jeter la pierre, hein, mais c'est un peu une anti Rachel Zegler par rapport à ça. Ce n'est pas pour être désagréable vis-à-vis -vis de Rachel Zegler, hein, mais on voit que Sidney Sweeney réfléchit vraiment à tout. Réfléchit vraiment à tout sait comment il faut parler aux médias c'est comment il faut parler par rapport aux fans enfin on sent que c'est très réfléchi elle sait comment gérer sa carrière et on voit qu'elle qu y va ça peut être ton algorithme parce que j'ai aussi la même chose par rapport aux extrémistes bah du coup c'est que c'est pas que mon algorithme si t'as aussi la même chose <laughs> et du coup non je sais pas c'est quoi la chaîne qui fait des fancasts de super héros euh, IA je, je vois pas du tout euh, Alexandre c'est les aléas du job de voir sortir une vidéo day one pour le bien de la chaîne, même quand il s'agit de films pourri. Bah oui, oui, c'est ce que j'ai fait avec Senseiya, c'est ce que j'ai fait avec, euh, avec quelques films. Ouais. Moi j'aime bien Zack Snyder et James Gunn me paraît assez antipathique, mais les guerres entre les fanatiques pro-Snyder, pro-James Gunn qui insultent celui qu'ils aiment pas, ça me passe au-dessus. C'est complètement débile, on dirait des gamins dans la cour d'école, c'est hallucinant quoi, c'est vraiment hallucinant. Quand je vois des cons qui tous les jours parlent de James Gunn, et pareil pour les cons qui tous les jours le Snyder euh, en bien ou en mal hein, et en bien ou en mal pour chacun. C'est waouh, wow. vraiment moi le propre truc que je me dis mais c'est quoi votre vie quoi Si oh, Ça doit être tellement triste en vrai. Si t'as une vraie vie tu, tu fais pas ça, c'est pas possible, c'est juste impossible. Si t'as une vie en un minimum euh, intéressante où il se passe des choses ou quoi, t'en arrives pas à ça, c'est vraiment qu'il y a un vide complet et que t'as que ça pour te sentir exister. quoi. Donc oh, C'est d'une tristesse affolante. Quoi. Euh, voilà des gens ils ne sont pas tous à mettre dans le même sac ah pas du tout certains fans de Snyder réagissent avec émotion et l'extrême non. non non mais je respecte le fait d'être fan et avoir envie d'en voir plus c'est tout ça il y a aucun problème il y a aucun problème c'est au contraire je trouve ça bien moi des gens passionnés qui il hein, y a aucun non, non vraiment quand on critique c'est vraiment en parlant des, des, des extrémistes à moitié tarés hein. c'est cela c'est cela mais euh, non non encore une fois mais on en parlait tout à l'heure vite fait justement entre autres avec euh, avec Kevin euh, de, du comptoir d'ici où on est complètement d'accord là-dessus et, euh, et, et un autre aussi c'est ce que je dis depuis longtemps pour le coup ça fait ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps je l'ai déjà dit j'ai déjà fait des discours là-dessus ici mais clairement les euh, parce que il a ce qu'il a dit aussi par rapport au fait qu'il serait pas contre finir euh, en animation et bon déjà évidemment il y en a qui sont en mode ni 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 si de l'animation je préfère rien je trouve ça un peu idiot merci beaucoup mon yaya merci beaucoup 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 euh, attends waouh ah ouais, je suis vraiment en retard je suis en train d'aller jusqu'à son super chat ah voilà hello je suis le panel Paramount du Cinemacon je suis abasourdi par les projets annoncés le... <laughs> <laughs> il y a un film Schtroumpf avec Rihanna. <laughs> Autant le Transformer Diario, on le savait, ça effectivement, j'ai vu tout à l'heure. Mais il y a un film Schtroumpf avec Rihanna. <laughs> Dites-moi qu'elle joue la Schtroumpfette, je, je vous en supplie. <laughs> oh mon dieu, j'adore Hollywood, c'est n'importe quoi. <laughs> de lire ça ouais. le film je trompe avec rihanna sur suis j'ai le jingle de camouleux qui commence dans ma tête oh putain entre le oh, *Gargamel*. <laughs> non mais entre l'autre projet là de c'est qui c'est jennifer lopez non avec euh... avec son délire euh... avec bob le bricoleur là et moment vous me dites pas vous me dites l'être avec rihanna ah bordel, je suis fan. Ah ça n'a aucun sens. Merci beaucoup beaucoup en tout cas mon yaya. Merci énormément. Ah mon dieu, ça me fait beaucoup trop rire. Oui mais oui c'est ça. Oui oui c'est Jennifer Lopez avec Bob le bricoleur. C'est vraiment les projets totalement improbables quoi. Ah merci pour le fou rire mon yaya. Ça fait du bien. Putain je suis en train de. Ah bah ben non j'ai passé. Attends faut que je retrouve les messages où j'en étais. Euh, je vais retrouver je l'ai marqué je l'ai marqué, il est mis de côté il est où il est où <laughs> ah non, commence pas après quand je vais voir la série, je vais voir Zemmour bah, déjà que j'ai réussi à ce que pour Magneto maintenant tu vois, tu vois Mamie Bonheur je vais réussir à te faire voir quelqu'un d'autre pour tous les persos en fait euh, ah voilà, c'est bon j'ai retrouvé le film Transformer J.I. Joe officialisé, oui. Mais ça, bon, il n'y a pas de surprise. On avait eu le. On avait eu le... Comment La post-crédit, de toute façon, on le savait très bien. Zéro surprise là-dessus. News, Rihanna écrira la comédie musicale et incarnera la Strumfette. Non, t'es sérieux Dites-moi que c'est vrai. Je vous en supplie, dites-moi que c'est vrai. Je suis en train de regarder sur Twitter. Ah oh, putain, je veux voir ça. Attends, je vais aller sur le compte de Discussing Film. Dites-moi que c'est vrai, dites-moi que c'est pas une blague. Oh, il va y avoir une saison 2 pour Monarch Legacy of Monsters. Je vois. Euh, ouais, Sonic 3 et Transformer 1, du coup. Euh, pour l'instant, j'ai rien sur l'histoire. Ah si Il va y avoir. Putain, ouais, il va vraiment y avoir un film Smurf avec Dan Levy. Attendez, je vais vous le mettre à l'écran. Hop, je vais vous montrer ça. Euh, partage d'écran. Hop, hop, et hop. Du coup, le cast. <laughs> et en plus, j'adore. C'est que c'est vraiment le film Smurf de Rihanna. C'est pas juste un film schtroumpf avec Rihanna. Ils ont vraiment mis le film schtroumpf de Rihanna. En <laughs> Avec Dan Levy, Sandra O, oh, Billy Lourdes, Kurt Russell, James Corden Nico Ferman quand même, qui avait joué dans Last of Us, euh, John Goodman, putain, Xolo Maridouania, donc euh, Blue Beetle, Natasha Lyon, Octavia Spencer, ah il y a du monde quoi Ah c'est incroyable. Voilà, franchement premier commentaire, il a tout dit. Rihanna Smurf Movie, ce sont trois mots que je n'aurais jamais imaginé voir ensemble. Ah <laughs> oh non, il n'y a rien qui va, Hello. Il n'y a rien qui va. Mais oui, on pourrait croire que c'est le 1er avril. C'est clair, quoi. Non, 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 Blix. Ce pas un film Smurf avec Rihanna. C'est le film Smurf de Rihanna. S'il te plaît, respecte un peu le truc. Respecte un peu le truc. Ah, c'est incroyable. Ah, je trouve ça tellement ouf. C'est magnifique. Ah oh putain, surprise en soi. Ah, ça va encore nous faire des, be des beaux rires pour dimanche. Putain. Merci, merci Hollywood de nous fournir des, des, des rires comme ça, vraiment. Je les remercierai jamais assez. C'est magnifique. Putain. Euh, non mais le, le casse c'est pas mal. Hein c'est un joli casse. <laughs> Franchement, ça n'a aucun sens. Salut Stan. Tu connais la chaîne, Camille Oui, donc non, je connais pas du tout euh, Alexandre, désolé. Moi, je vais dans leur sens. Maintenant, c'est plus drôle qu'ils font si fort que pour du CBN. Ah oui, j'ai bien vu avec tes hashtags. Euh... Non, mais oui, <laughs> je ne répondrai pas, à Blix. Non, j'avais offert un Blu-ray à Ghost en me disant, allez, Ghost le mérite, puis juste après, il enchaîne ça, Blu-ray. J'avoue, j'avoue, il était beaucoup trop fort. D'ailleurs, euh, je ne sais plus si je vous ai dit, mais on a atteint les 600 euros. On a atteint les 600 euros. Parce que du coup, sur Kofi, sur on doit être à 545, un truc dans le genre. Et il y a eu des dons sur. Il y a eu des dons aussi sur. Normalement, j'avais dit que c'était que Coffee, mais. Mais bon. Il y a des dons qui ont été faits. Les gens, sur le coup, ne savaient pas. Je me suis dit, tant pis. Euh, en réalité, je vous montrerai hein, tous les dons Coffee, tout ça, euh, dimanche, comme j'ai dit, tous les dimanches. Je ne m'embêterai pas à vous montrer les dons euh, sur YouTube, parce qu'en réalité, si je prenais vraiment ce que YouTube verse, ça ferait moins. Parce que YouTube prend plus que, que Coffee, par exemple. Mais je compléterai. Le but, c'est cool. Je suis trop content que, que ça atteigne les 600. Même si en réalité, avec les dons de YouTube, si, si je devais compter ce que YouTube prend machin, ça ferait moins de 600, ça fera 600. Après, ça pourra peut-être faire plus. Le Coffee, j'ai dit hein, que pendant tout le mois, c'est pour euh, la fondation Personnage. Donc, jusqu'à la fin du mois, de toute façon... Tout sera pour pers personnel sur Kofi, mais déjà, je peux vous assurer que c'est au moins 600 euros. Ça, c'est déjà déjà acté de toute façon. Merci beaucoup, mon vieillard. Merci beaucoup. Kendrick Lamar et les créateurs bossent sur un film musical autre qu'Amoulux. What Mais tu sais, c'est comme le délire aussi avec le film Lego, là, euh, sur la vie de euh, sur la vie de. C'est de... Euh, comment... Euh... De faire le gamme, je crois. Je crois que c'est ça. Non, mais il y a des projets en ce moment, c'est. Je comprends plus rien. Je... C'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Ah, avec... par les créateurs de Soft Park. Oh, mais ça peut être changé, ça, en plus. Franchement, moi, créateur de Soft Park, je dis oui, hein Je dis oui. C'est. Ah oui, non, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Et merci, mon Yaya. Mais celui-là, je ne savais pas, tu vois, je pas entendu non plus. Bon, d'accord, tu ne feras pas de vidéo sur Snyder, mais du coup, tu feras un live sur les copines. Non, non. Je ferai un live X-Men 97 demain. Salut Lazaro. Euh, salut visions Je suis en train de regarder X-Men 97 comme tout le monde, et pour l'instant, on tient le meilleur programme de Disney plus côté MCU. Oui, Lazaro Coujo, On est d'accord. On est carrément d'accord. Évidemment. Euh, oui, sur Farel, ouais, c'est bien ça. Ouais, oh, ouais, celui avec Lego. C'est un truc de fou. Quoi. Les créateurs de Soft Park font un film musical sur le de Olivier. Non, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans chacun des live ils on réussit à dédier une partie à Snyder. Mais oui, mais si vous si, Tout ça parce que vous aimez bien me voir m'énerver aussi. Et encore une fois, je ne suis pas énervé contre lui, je suis énervé contre certaines conneries qu'il dit. Mais de la même manière que je serais énervé contre un ami qui dit des conneries. Je suis contre ces conneries-là, pas contre la personne. Mais là, vraiment, il cherche. Hein. Puis, vraiment, derrière, c'est les gens qui répètent après et qui trouvent que c'est génial, parce que les mecs, si jamais... J'ai l'impression que s'ils torchent le cul, ils vont transformer ça en linceul du Christ. Et du coup, qu'ils boivent toutes ces paroles. Et non, en fait, il faut avoir un esprit critique à un moment aussi. quoi. Après, on peut aimer. On peut être d'accord avec ce qu'il dit. Mais il y en a plein où la argumentation elle est pourrie derrière. Quoi. Non, Flavien. Non, on ne fera pas ça. On ne parlera pas du Wonder Woman de Tom King. En plus, je ne sais pas si tu as vu, mais il y, y a eu le teasing avec la, avec la cover du, du suivant. Est sorti déjà, j'ai peur. J'ai beau être matinal, j'ai mal au secours. Peacemaker, euh... c'est une dinguerie. T'es dans le déni, Sofiane, mais c'est cool pour les gens qui ont aimé. Vraiment, j'ai pas pu. C'est pas mon délire. Il a laissé trop de place à son à cette partie de son humour que j'aime pas. Et encore une fois, j'ai pas l'impression de voir une série. J'ai l'impression de... de voir des gens qui font des sketchs. J'ai l'impression d'assister aux grosses têtes, vraiment, vraiment. Ça me rappelle quand, euh, quand euh, je tombais sur les grosses têtes. Et c'est vraiment les gens qui font des blagues et qui regardent en attendant que tu, tu ris à leurs blagues. Non, bah non. Euh, non, je ne regarde pas trop les teasings. Je te laisse passer certains. Je laisse passer certains maçons de connaissance. C'est ça qui a réussi pour le moment. Les 5 épisodes, tu les regardes en passant complètement à côté du message, juste comme un truc de super-héros versus méchant. Bah, disons que le message est clair. Mais... Enfin, il est clair et puis il, est, euh, il a une place importante en réalité. Tu prends rien exemple le discours de Magneto devant l'ONU, mais c'est enfin, c'est justement la parfaite balance où c'est du divertissement, t'es pris dans l'histoire, t'es vraiment pris dans l'histoire, et c'est totalement politique, c'est totalement politique au taquet, c'est totalement euh, sur la diversité, sur, sur plein de choses, totalement, de A à Z, quasiment tous les thèmes. Enfin, d'Acosta qui a peur par rapport à ses parents qui euh, vont détester, enfin il a peur d'être rejeté s'ils savent qui il est. C'est quoi à part un gamin qui a peur de faire son coming out ou de quelque manière que soit, ou un enfant qui choisit une autre religion que ses parents, ou j'en sais rien. Ça, et c'est pour ça que je dis que c'est universel. C'est chaque groupe qui s'est senti jugé, rejeté ou quoi que ce soit peut se sentir concerné. Et c'est ça qui est formidable dans la manière de l'écrire. Et c'est une réussite. Et en plus, comme tu le dis, il y a le côté Très paradoxalement, alors que c'est extrêmement politique et tout ça, c'est pas ce qui saute aux yeux dans le sens où t'es tellement pris par l'histoire. Non, pas Fernando da Costa, non. Mais non. <laughs> je parle de Sunspot. Je parle de Sunspot. Ne parlons pas de Birds of Prey. J'ai encore vu, et je me suis retenu de répondre vraiment, j'ai encore vu un truc en mode ceux qui n'aiment pas Birds of Prey, c'est de la misogynie. Euh, pardon, mais on en parle de la misandrie du film. C'est un des films les plus misandres que j'ai vu. Et je n'aime pas les films beaufs, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Que ce soit misogyne ou que ce soit misandre, pour moi, c'est autant de la merde. Donc, euh, Birds of Prey, pour moi, non, le côté misandre, il est insupportable. À ce point-là. Mais j'avoue que j'aime bien troller Tonton Zach. Euh, salut Nox. Moi, j'aime me retrouver dans un bourbier à force de voir mes commentaires affichés aussi longtemps. Il ne faut pas oublier qu'on a tous notre vision de notre héros qui ne correspond pas toujours à ses réinterprétations. Tout à fait. Tout à fait, Nox. Même si on parle juste uniquement des comics, euh, on peut très bien, euh, même sur un même personnage, on parle que des comics, on enlève le reste. On pourra avoir des préférences différentes par rapport à des runs différents, à des périodes différentes. Il y en a qui vont adorer le Superman de New 52. D'autres pas du tout qui vont préférer celui de, celui, euh, de Rebirth ou. Euh, ou le, 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 le post-Crisis, ou le pré-Crisis, enfin, totalement, totalement. Euh, ah, bah oui, bah voilà, tu l'avais dit, j'avais pas vu à ce moment-là. Euh, oui, mais dans les années 40, oui, ça, donc on avait répondu. Malgré mes préférences, je peux avoir l'honnêteté de dire que je pense que James Gunn a sûrement plus de culture d'ici que Zack Snyder. Oui, culture d'ici, c'est sûr. Je dis pas qu'il n'a pas lu de comics Snyder, attention, qu'il n'en a pas lu du tout, mais oui, pour le coup, Gunn est un vrai gros fan, C'est un air de fan de comics. Clairement, donc euh, oui, il en a lu beaucoup plus. Ça, c'est pas, c'est pas, un... c'est pas un jab contre Snyder de dire ça. C'est pas en mode euh, Got you. C'est juste que c'est une réalité. Clairement, Gunn a lu bien plus de comics. Après, chacun pense ce qu'il veut. Du boulot des deux. Hein. Le fait d'avoir lu des comics fait pas toi un excellent réalisateur ou un mauvais ou machin. Mais c'est une réalité. Euh... Tout, tout, tout... Euh, D'ailleurs, j'ose le dire ici, j'ai beaucoup aimé le Batman 146. Je sais plus si je l'ai déjà lu, celui-là. Si c'est suite cette semaine ou de la semaine dernière, je l'ai peut-être pas encore lu. Si. Normalement, si. Je ne sais plus, je suis perdu. Parce que je suis en train de réenregistrer des émissions qu'on avait en retard en même temps. Donc, je suis en train de mélanger, de lire des issues. Je sais que j'ai lu l'Outsider de cette semaine. Ça, c'est sûr, de chez DC. Mais oui, je suis en train de lire des plus anciennes et des issues de cette semaine. Donc, je mélange un peu le tout. Je vais avancer un petit peu, histoire de. La dernière partie du Let's. Ah, oui, 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 il faut que je la mette. Eh bien, écoute, si j'y. Ouais, je vais être pile là. Je vais, essayer, je vais la mettre là dans les... Rappelle-le-moi, Bliss, n'hésite pas. Au pire, euh, sur Discord ou autre. Mais euh, ouais, je vais la mettre. Je l'ai, en plus, faut juste que je la mette vraiment. Penses-tu qu'ils vont adapter l'arc sur Hope Summer ou c'est trop tôt dans 37 Ça me paraît trop tôt sur Hope. Ça me paraît un peu trop tôt pour le coup. Peut-être plutôt dans une saison suivante. Je pense qu'on devrait aussi arrêter de discuter de ces débats de bas étage. C'est pas faux. C'est pas faux. Un choix impossible aussi avec Spider-Man dans Spider-Man 1 Dreamy avec le bouffon vert. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je pense que l'excluteur ne va pas devenir président pour le moment, mais possible qu'il puisse devenir maire de métropolis. Écoute, à voir. À voir. Président, c'est bien que ça arrive plus tard. De toute façon, c'est bien que ça arrive plus tard. De retour d'une petite session d'escalade. Ah, cool. Suivi d'un gros apéro. Parfait. Je réécoute la rediffusion dès que possible. Grosse bise. Encore bravo pour le Merci beaucoup. Merci Mister Wimby, merci infiniment et, et merci pour tes commentaires, à chaque fois ça fait, ça fait très plaisir. J'y connais tellement rien aux Tortues Ninja à part la série qui passait sur France 4 à l'époque. Écoute, euh, moi honnêtement, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, vraiment j'étais limité, pareil, hein, à la vieille série animée, à avoir vu euh, les différents films live action, mais pareil, hein, j'étais pas un lecteur euh, du tout de, de Tortues Ninja et j'ai vraiment commencé avec les, euh, les intégrales... Je euh, peux donner là. Oui, voilà, j'ai les trois premières intégrales. Euh, J'ai vraiment commencé avec les intégrales et c'est parfait. Si vous voulez commencer les Tortues Ninja en comics, vraiment, alors elles sont un peu chères, c'est vrai. Par contre, c'est un super objet euh, avec ses couvertures qui sont un peu souples, mais quand même solides et vraiment enfin, un tapis de qualité. Et surtout, le run est excellent. Vraiment, la série est excellente. Une fois passées les premières. Euh, des bisous, euh, Noël. Salut Noël Pascal, merci beaucoup d'être passé, ça fait super plaisir. Mais en tout cas, ouais, ouais, franchement, les, les, les intégrales, je te montre le. Hop. La première, c'est celle-là. Donc, tu vois, elles sont, elles sont en relief. Tu ne le verras pas trop là. Mais c'est en relief, en fait. Et, euh, et vraiment, c'est top. Passer les quelques issues, j'avais des petits doutes où je me demandais, parce que j'avais peur que ça risque d'être un peu enfantin ou quoi. Et au final, dès que tu passes les, les quelques premières issues, ça devient incroyable. Vraiment, elle est, euh, elle est top, cette série. Il y en a pas mal. Alors, je ne suis pas assez loin pour le dire moi. Hein, je ne peux pas dire si c'est vrai, ou euh, s'ils ont raison, ou s'ils ont tort. Mais il y a pas mal de monde qui... Euh, qui considère que c'est un des meilleurs runs de comics de ces dernières années. C'est un vrai avis qui est assez répandu, qui circule dans ceux qui l'ont lu. Encore une fois, je ne peux pas dire si c'est vrai ou pas, mais c'est souvent un avis, euh, c'est souvent un avis que j'ai entendu. Euh, c'est dans le top du top de ce qui s'est fait tout confondu en série comics euh, ces dernières années, semble-t-il. Donc, je suis, je suis impatient d'avancer euh, dans tout ça. Euh, on est 50. Oui, complètement. Pour un live qui a été prévu euh, une heure avant de commencer. Franchement, c'est plutôt pas mal. On est même monté à 60. Le live a été prévu une heure avant. Donc euh, merci à vous, vraiment. Hein. C'est très très cool. Euh... Je passe sur les what If Marvel Disney. Oui, moi non, je t'avoue, ça m'intéresse pas trop. Quoi. Ça m'intéresse pas trop. Euh... Salut Sagat j'ai pas vu le premier film Joker, car il ne m'intéresse pas. Pourtant, je casse pas les pieds. Les fans doivent prendre mon exemple. Tout à fait. Tout à fait. C'est pas la continuité des covers Disney. Sans... Euh, bah, oui et non. Bah, dans un sens, oui. Mais ça, oui, effectivement, c'était des covers pour l'anniversaire de Disney où ils avaient fait des variantes de, de covers très connues, euh, avec des personnages de Disney. Là, ça va être carrément vraiment des what if, en mode des, des histoires vraiment, quoi. Donc, oui, on peut un peu considérer que c'est la continuité, effectivement. Euh, les personnages de Disney en perso de Marvel, Kelly des Relous. C'était sûr que ça allait arriver. Hein. C'était sûr que ça allait arriver. Je reviens de vacances et je me suis mis au nouveau comics Moonlight. J'ai eu du mal au début car j'étais très attaché au perso de Max Spector et finalement, belle surprise sur son remplaçant. chute. J'ai pas encore lu celle-là, j'avoue. Je lis beaucoup moins de Marvel en ce moment, je t'avoue. À part quelques séries Ultimate. D'ailleurs, il faut que je lise là, il y a le X-Men 2 qui est sorti, j'ai vu, euh, de, de Pismo Moko. Mais euh, ouais. Du coup je suis le ultimate, mais c'est à peu près tout côté Marvel en ce moment. Vu que j'ai pas mal de DC à lire toutes les semaines, plus les lectures que j'ai envie de faire à côté, c'est à un moment où je suis obligé de faire des choix. Euh, non, non, non. Ni en gambit, ni en nightwing, faut arrêter avec ces idées de merde, je suis totalement contre. Euh, le Joker de Philippe, c'est surtout un prétexte à faire de l'onérique avec l'univers d'ici, si vous voulez du Comics Accurate circuler. Oui, c'est ça, faut vraiment pas espérer du Comics Accurate, quoi. Mais, c'est un peu comme The Dark Knight, hein. The Dark Knight, que je considère comme un très très bon film, que je considère pas comme un film Batman. C'est... Pour moi, c'est pas un bon film d Batman, The Dark Knight, mais c'est un excellent film. Et vraiment, je l'ai toujours vu comme ça, quoi. Mais en tout cas, merci pour ce live de Prod. Il n'y a pas Pékin Express ce soir, je ne savais pas quoi foutre. Et ben écoute, content de pouvoir remplacer Pékin Express, du coup, ça me fait très plaisir. J'ai vu un hein, reboot de Scary Movie est en préparation. Ça, vraiment, je ne ouais, suis pas sûr. Surtout que les comédies, c'est vraiment plus ce qui fonctionne trop en ce moment. C'est risqué de, de partir là-dedans, pour le coup. Et donc, le film crossover direct de Transformer, ça, on le savait. Encore une fois, ça, on le savait. C'était annoncé, de toute façon, dans la post-credit donc il euh, y a zéro surprise là-dessus en vrai, il y a zéro surprise euh, la VF de l'Ange de Métropolis avec Emmanuel Jacomi en Clark Kent, tout à fait ils étaient tous parfaits de toute façon par pitié, dis-moi que Gambi et Rogue vont rester ensemble avant j'avais honte de mes sentiments euh, parce que je suis un mec maintenant je l'assume sans aucune honte, vive le rose et les fleurs je ne te dirai rien Paul Creuse, je ne te dirai rien tu découvriras par toi-même merde, j'ai 27 minutes encore quand même ah, je pensais que j'avais remonté, tu vois. Zut, il faut que je me dépêche. Euh... Oh, oui, pour moi, la saison Revival de Dexter est la meilleure après celle du frère et Trinity. Cool, 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 cool. Je me rabonne derrière, mais c'est pour marquer mon avis. <laughs> ah, oui, d'accord, si Blix et Modo, je me désabonne. Ouais, ça va, 21. Ouais, j'ai 27 minutes. Ça va. Avec la saison 2 de Monarch, ils annoncent aussi d'autres séries spin-offs en préparation. C'est cool, ça. Ça, c'est cool. Euh, c'est vrai, on ne frappe pas un homme au sol. C'est pas bien de faire ça. Salut Chris, bonsoir, je viens de rattraper les 5 épisodes de X-Men 97. Que c'est bon, oui, oui, oui. C'est très bon et on en parlera en détail demain, de cet épisode 5. Voilà, on en parlera fondement fond demain, demain soir et ça va être trop cool. Ah, Immaculate. Ça m'avait fait rire, j'avais vu un truc en mode... Putain, à chaque fois il la fout à poil, tu te dis, ah, bah c'est bon, là elle joue une nonne, et eh ben non, même là il la fout encore à poil. Ça m'avait beaucoup fait rire. Euh, non, il n'y a pas eu de news du côté de One Piece Live Action pour l'instant. Mais par contre, ce qui est trop cool, du coup, oui, je vous ai pas dit, c'est que euh, j'ai eu euh, j'ai eu le mail de confirmation et donc pour le Paris Fan Festival, j'ai mon euh, une accréditation presse, ce qui est top. Donc merci déjà à eux, merci euh, au Paris Fan Festival, ça va vachement me faciliter me faciliter la vie. Donc j'aurai le petit euh, j'aurai le petit bracelet euh, presse. Euh, pour le Paris FanFest, et donc, comme je vous avais dit, du coup, ça confirme encore plus, euh, voilà, si vous avez envie de savoir à quoi ressemble le Paris FanFest, je vous emmènerai euh, en live, directement sur place, euh, dans les allées du Paris FanFest, un peu sur Twitch, un peu sur, euh, sur YouTube. Mais du coup, voilà, je vous emmènerai avec moi. Euh, vous balader dans les allées du Paris Fanfest. Il euh, y aura différentes choses. Puis, du coup, rencontrer les copains créateurs et tout, ça va être marrant. Il va y avoir des crossovers inattendus euh, en live selon, selon les gens que je croiserai dans les, euh, dans les allées. Déjà, je peux, vous pouvez être sûr que de toute façon, je vais me démerder pour croiser du Comic Guardian, pour croiser du, euh, du NCK et du Prince Dali de des Nakama, du Miko. Euh, plein de monde enfin voilà il y a plein de gens vous vous doutez qu'évidemment hein, évidemment on va se croiser mais euh, mais du coup euh, mais du coup ouais, non c'est cool Donc, merci à eux de m'avoir suivi une accréditation euh, ça va être vachement pratique il y aura aussi du vlog euh, évidemment et puis il y a des choses de prévues dont je ne peux pas encore parler et puis euh, et puis des surprises on verra des surprises pour moi aussi <laughs> c'est ça aussi qui est cool je suis un révolutionnaire j'ai lancé un débat sur Snyder en début de live et c'est toujours pas fini et je dis aussi normalement normalement réservez votre 1er mai normalement il y aura un truc le 1er mai c'est un mercredi gardez l'autre côté je peux pas encore en dire plus mais gardez votre 1er mai de côté je sais que tu ne veux pas être désagréable, mais les gens en ont fait des tonnes sur Rachel Zegler et les jeunes, c'est Complètement. Complètement. Pas de cause. Et je l'ai dit, hein, que ça servait vraiment à rien d'aller attaquer ou quoi que ce soit. C'est euh, totalement, totalement. C'est vraiment juste pour comparer, effectivement, euh, le fait de, de soi-même être capable vraiment de, de, de comprendre tout ça, de le gérer, tout ça. Mais je suis complètement d'accord sur, euh, sur Rachel Zegler. Hein. Et je l'ai dit ici. Oui, ce qu'elle a dit était, était, était un peu idiot, était euh, maladroit et compagnie. Mais encore une fois, c'est une petite jeune, elle a pas l'expérience et ça arrive et aller se mettre tous sur une gamine parce qu'elle parce qu'elle a mal parlé d'un film Pff, vraiment enfin, ça va on peut s'en marrer entre nous et tout ça mais les gens qui vont sur sur tous ces commenter tous ces tweets qui vont envoyer des DM et des machins faut se détendre quoi ça va elle a juste parlé de Blanche Neige hein. oh, tu rigoles mais je kifferais Marvel d'ici faire un faire un live poterie avec Snyder Vraiment, sérieusement. Mais encore une fois, moi, je suis sûr que je m'entendrai très très bien avec Snyder. C'est là-dessus, il n'y a pas de soucis, quoi. Il n'y a pas de soucis. Mais non, comique du prof. La chaîne, c'est Strider HD Fancast. Ah, Strider HD tiens d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Bah écoute, non, je ne connaissais pas, tu vois le compte de... ouais d'accord merci, merci, je ne connaissais pas du tout pour le coup ah euh... oh, c'est cool, je peux avancer un peu ça, tout ça je <laughs> trouve une fête boutique c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on veut j'arrive pas à comprendre, on reproche quoi à Gunn d'avoir pris la place de Snyder, de passer le ici on lui reproche tout ce qu'on peut parce que c'est pas Snyder voilà euh, c'est incroyable, cette news Rihanna elle me fait tellement rire hein. Tu penses que Urban va continuer la publication des Wildcats après la partie à l'amour? Je sais pas du tout. Je préfère pas te dire de bêtises, Crosper. Vraiment, là-dessus, je ne sais pas du tout. Je sais vraiment pas. Oh, putain, c'est incroyable. Ah, non, mais si, si, c'est très drôle, en fait. Un film pense avec Rihanna et pourquoi pas un film babar avec Marine Manson. Ah, mais le casting, il est ouf, C'est un bon casting. Riri, elle n'a rien à foutre, elle va prendre le chèque pour faire les chorégraphies des Schtroumpfs. Ah non, c'est son film, le loup. C'est ce qu'ils disent. Scary Movie, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Alors, Créateur, ça j'avais lu. Ouais, oui, oui. J'avais vu le petit trailer qui est sorti là. Je vais pas te mentir. Moi, Dubosc Bosco. Du bosco générique. Voilà. Après, euh, ça se trouve. Hein. Je te vois, Laurent. C'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien. Ça va. 35. J'ai regagné. 30, 45, 35, 45 Eh, hey, j'en suis. Ça fait 10. Euh... Ça va, ça fait 19. J'étais à 27 minutes tout à l'heure, j'ai regagné 8 minutes. Franchement, j'ai repris 8 minutes. Euh... Non. Euh, on peut parler de... Non, ça, j'avais dit non. Euh, un film live-action Pyjamasque Little Pony Action Man. Le truc improbable. Euh, ça, j'avais lu. Birds of Prey, nul. et j'ai hâte de la Harley Gaga. Ouais, je suis vraiment curieux. Je suis vraiment, vraiment curieux de voir ça. quand. Hein. Philippe de Villiers en Gambit. <laughs> Pourtant, dans Birds of Prey, il n'y a aucun miso qui porte un jean. J'ai plutôt kiffé Birds of Prey. Moi, on va pas passer. De... Euh... Bah oui, bah oui, laisse Non, mais je suis dit, il y a plein de choses qui me dérangent dans Birds of Prey. Mais entre autres, vraiment ce côté hyper misant. Pour moi, ça sert à rien d'aller d'un côté beau, enfin, un autre côté beauf. En fait, je vois pas pourquoi ce serait plus acceptable un film qui est, qui est misandre à ce point-là, qui fait tout un effort pour que absolument chaque personnage masculin soit forcément un énorme connard. Et. Après, il y a plein d'autres défauts. Hein. C'est vraiment loin d'être le seul. C'est pas juste ça. Mais ouais, non, non c'est pas pour moi. Non, c'est pas, pas un bon film. Quoi. Mais le père de Roberto de Costaves est parti du club des damnés. Oui, effectivement, il me semble dans les comics six semaines. Eh ben ouais, ça se trouve. Verra-t-on Roberto découvrir la vérité C'est une possibilité. C'est une possibilité. Euh... Oui, <laughs> je pense. Parce que je fais aucun effort dessus. Hein. C'est de ma faute. J'ai plein d'envie hein, de trucs à faire dessus. Il faut vraiment que je m'y mette. Mais euh, ça arrivera. Ça arrivera. Par la suite, ils n'ont jamais osé un rôle indépendant dans lequel Batman serait plus violent et tué, ou ils ont craint une mauvaise réception des lecteurs. Non, puis je pense que ça s'est vraiment inscrit dans l'ADN du personnage, crois. Ça fait vraiment partie du personnage maintenant. C'est. Ouais, il y a du mal à s'en éloigner parce que c'est considéré comme vraiment faisant partie de son essence. J'ai été voir Kong Godzilla. Moi, j'ai aimé le film, j'ai passé un bon moment. Et ben, écoute, moi aussi. J'ai passé un très bon moment. Je sais que le film se fait descendre par certains. Après, au final, le film cartonne. Donc, euh, le résultat est là. Mais euh, après, bon, c'est très bien, ça ne juge pas de la qualité d'un film. Mais en tout cas, moi, j'ai passé... c'est un film débile, mais j'ai passé un excellent moment euh, grâce à la débilité du film. Pas, pas mentir là-dessus. C'est... Euh, la débilité du film m'a fait passer un excellent moment. Il y en a qui disent que c'est pas assez n'importe quoi pour faire un bon nanar. Je suis pas d'accord. Pour moi, c'est un excellent nanar. Vraiment. J'ai adoré le côté nanardesque du film. Tu parlais de lex Luthor et de sa version de l'Ange de Métropolis. Quand je regarde son plan dans sa globalité, dans Justice League avec le corps d'Amazo, c'est la perfection. Bah oui. Puis Amazo, ouais, c'est un, un adversaire assez redoutable, forcément. Un des meilleurs runs côté super-héroïque action. Oui. De ces dernières années, je dirais juste derrière Invincible. Ouais, donc voilà c'est pas c'est pas rien comme comme louange du coup pour' Lorraine, très clairement très clairement puis là vous avez comics du prof qui pour le coup a lu quand même beaucoup de choses qui malgré son côté un peu problématique on le sait tous est quand même quelqu'un qui effectivement lit énormément de, de comics donc ouais voilà c'est un avis quand même que je prends en compte et oui un des meilleurs run côté super héroïque c'est cool c'est un bon compliment. Au plus loin que je me souviens, les premiers comics T.M.N.T. étaient en noir et blanc et plus violents. Bien sûr, bien sûr, la première version était en noir et blanc. Euh, ils avaient tous le même bandeau. Il avait pas de... C'est venu avec le dessin animé le délire des bandeaux de différentes couleurs. Et oui, c'était bien plus violent, bah parce que c'était c'est un peu une parodie du. Euh, c'est très connu ce que je vais dire, hein, mais c'était une parodie du, euh, du Daredevil de, de Frank Minard. Il faut savoir que les Tortues Ninja ont la même origine historique que Daredevil. Ça veut dire que le produit. Qui a rendu aveugle euh, Matt Murdock quand il était enfant, le camion qui a, qui, a, qui a laissé échapper ce truc, ce produit qui a rendu aveugle euh, Matt Murdock, c'est le même produit qui a transformé les Tortues Ninjas. Ça vient de là, les Tortues Ninja. Et c'est pour ça que leur ennemi s'appelle euh, The Foot, le clan Foot. Foot, c'est pied. Et les ennemis d'Ardeville, c'est Vienne, la main. Donc la main pour l'un, le pied pour l'autre. Tout simplement. Donc, euh, oui. J'ai eu le run de Tom King sur Batman. Je le trouve vraiment bon, moi, alors que je l'entends faire défoncer. Il y a des parties que je trouve excellentes. Il y a des parties que je trouve très chiantes. Il y a des parties que je trouve très, très bien. c'est Il y a même des, des issues que je trouve vraiment géniales, comme le fameux Double Date, quand il y a le... Euh, quand il y a le, le rencard entre euh, A4 avec euh, Clark, Bruce et euh, Loïs et Célina, euh, qui est génial, ce double numéro. J'adore la partie où Batman fait, euh, fait équipe avec euh, Swampfing, qui est génial. En plus, c'est dessiné par, euh, par, euh, par Midgirad sur la partie-là. Et Les planches sont absolument magnifiques, mais magnifiques. Il y a une planche, oh si je vous la retrouve, il y a une planche qui est superbe. Avec Swampfing et Bruce Wayne dans le salon du manoir. Et il y a juste Alfred qui, qui balaye les feuilles derrière. Et c'est juste incroyable. Je la trouve trop belle, cette planche. Nietzsche, euh, Batman, Swampfing. Je suis sûr que j'arrive à le trouver comme ça. Bim, je l'ai. Je vais vous montrer ça. Elle est trop belle, cette planche. Oh, elle est magnifique. Euh, attendez deux petites secondes. Je vous montre ça. Voilà, c'est celle-là. Ah, Up. quoi Pourquoi t'apparais là-bas Moi, je vais faire comme ça. Hop, hop, what C'est pas ce que je veux faire. Ah, voilà, bim. J'ai trouvé, je vais vous montrer ça. C'est ça, alors là, c'est pas en qualité maximum, mais je vous assure que sur les pages du bouquin... Elle est mais splendide, avec les effets de lumière et tout. Puis c'est vraiment le fait de juste Alfred qui balaye les feuilles mortes qui tombent de, de Swamp derrière, et ça lui paraît tellement normal. Il a tellement l'habitude que plus rien ne l'étonne, Alfred. C'est juste n'importe quoi. Mais ouais, donc cette planche, je trouve superbe. Mais non, non, il y a du bon. Il y a d'autres choses que je trouve que je trouve beaucoup moins bonnes, par contre, effectivement. Euh, Dark Knight, c'est clair qu'en termes de film, il est excellent. Scénaristiquement, c'est le meilleur de la trilogie avec une narration maîtrisée de bout en bout complètement. Mais c'est pas une bonne adaptation de Batman. Mais c'est un très bon film. L'un n'empêche pas l'autre. Et c'est ça, je vois tout le temps ce délire du comics accurate, pas comics accurate. D'une, il n'y a pas de honte à être comics accurate. Il y a un moment, si tu décides d'adapter des comics, c'est bien de base qu'ils euh, valent quelque chose. Donc il faut arrêter de, que ce soit une espèce de honte. Ah bah c'est bon, je peux le dire du coup Freddy, ok. Je, je déteste parler d'un truc avant que ce soit officiel, je me dis on ne sait jamais. Donc oui, effectivement, demain je suis chez Comics Guardian pour euh, l'émission euh, Power. Et ça fait super plaisir, déjà parce que c'est Comics Guardian. Euh, souvent l'émission est le dimanche. Donc du coup je ne peux, euh, peux pas y être, évidemment. Donc ça fait trop plaisir, évidemment, d'être euh, invité par, euh, par Comics Guardian, euh, que, je, que je kiffe, bien évidemment, qui est un super mec. Vraiment qui est, qui, est, qui est un amour Donc, euh, donc ouais Pour ça il m'a il envoyé un message En me demandant si euh, Si j'étais euh, Si ça me disait justement d'être euh, invité euh, Non pas demain pas demain samedi pardon Oui samedi je suis invité samedi Mais donc euh, Oui donc oui du coup je disais oui Il me demandait si j'étais dispo Et comme je lui ai dit c'est euh, Mec le, la seule façon que je te dise non Quand tu m'invites c'est si vraiment J'ai un truc de prévu et que c'est impossible de ne pas y être. Sinon, évidemment, je te dis oui à chaque fois. Et en plus, je découvre, du coup, les autres invités. Et ça fait super plaisir. Parce que, du coup, il y a Lily, évidemment, de la chaîne Lily S'ennuie, que j'adore, qui est super cool. Euh, voilà, avec qui on a déjà fait pas mal de lives. Hein, et qui est, qui, 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 est vraiment, qui est vraiment super. Hein. J'adore Lily. Alex, on a eu l'occasion de faire, euh, je crois qu'on a fait deux lives ensemble. C'est un ou deux, mais je crois que c'est deux. Je suis quasiment sûr que c'est deux lives. Euh, Alex, qui, euh, si vous connaissez pas, qui est très, très, très impliqué sur la scène, euh, sur la scène comics, qui, euh, qui, qui, qui a été community manager de, je sais plus comment s'appelle ce bar à Paris, euh, je crois que c'est le dernier bar avant la fin du monde, euh, le bar euh, Geek aussi pour, pour de la librairie qui, qui effectivement est très calée sur Batman euh, qui euh, comment euh, elle a bossé comme community manager sur, des, sur pas mal de festivals enfin sur la communication enfin qui fait beaucoup de choses elle écrit dans Canal BD si vous achetez des comics si vous allez dans, dans, des, dans des dans des librairies affiliées Canal BD vous avez vous savez le magazine gratuit Canal BD les articles comics quasiment à chaque fois c'est écrit par par Alex justement donc euh, non, non, quelqu'un vraiment qui, euh, qui fait beaucoup de choses pour le comics. Donc euh, c'est cool, c'est cool. Mais voilà, effectivement, content de pouvoir le dire. voilà Je ne voulais pas le dire jusque-là parce que voilà, ça n'avait pas été annoncé. Donc euh, effectivement, on se retrouve samedi euh, chez le Poteau CJ. Et du coup, avec une très belle affiche, je vais être euh, très très bien entouré. J'ai de la chance. Salut mon Jarod, j'espère que tu vas bien. Euh, un live utile le dévion, c'est mieux que tout ce qui passe à la TV. C'est trop gentil, mon Giovanni. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, Scary Movie, euh, ouais. c'est faut du talent hein, pour faire ça. faut du talent. Et ouais, t'as vu, Jarod J'ai de la chance. Non, non, mais carrément. Non, mais ce que je disais, oui, oui que si j'y m'avais reposé en mode cette euh, tente, j'étais mec. <laughs> mais je savais pas qui étaient les invités. Je l'ai décou découvert euh, là. Et de toute façon, je dis oui à CJ, à, à CJ, euh, automatiquement mais ça fait d'autant plus plaisir que ça va être une super soirée avec des super invités pour le coup. Ah je, 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 oui le cinéphile oui 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 euh, oui Paul Creuse. Ben, c'est pas qu'il envoyé balader, c'était en mode enfin mec, fais pas t'étonner, fais pas ton étonné que les gens vous trouvent détestable euh, alors que vous avez une condescendance qui est quand même d'une violence assez euh, assez inouïe, quoi. Il y a un moment, faut pas non plus enfin euh, faut pas se, faut pas se... Il y avait vraiment un jugement sur les gens qui avaient, qui avaient apprécié le, le trailer de Joker 2. Et j'ai essayé de ne pas être désagréable avec lui. Mais juste en mode, enfin, t'étonnes pas un moment. Vous avez, vous avez le choix. Vous pouvez faire preuve de, 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 de bienveillance, de pédagogie. Si au lieu de vous comporter comme des connards, vous disiez Ah, bah, tiens, c'est cool, vous avez, aimé, euh... vous avez aimé ce type de plan. Ah, bah, bah, écoutez. Si ça vous tente, il y a tel film un peu dans cet esprit-là ou alors il y a tel film ou il y aurait tel film enfin il y a des façons de faire quand tu arrives en mode oh là là cette bande de d'incultes et de neuneux qui apprécie ça comme si c'était la première fois de fermez vos gueules pff, en vrai mais fermez là on s'en fout dans ce cas juste taisez-vous ça n'a aucun intérêt au contraire vous éloignez encore plus les gens c'est complètement débile enfin je sais pas c'est un que je comprends pas ce besoin de, de suffisance à ce point-là vraiment c'est pas possible quoi. Mais non, tu extrapoles. C'est pas un jugement, c'est juste de l'oppression saupoudrée de méchanceté gratuite. Non, mais en plus, je suis vraiment dans une période. Ça a toujours été un peu le cas. Mais de plus en plus, vraiment, j'ai du mal avec la manière qu'ont les gens de se, de se comporter sur les réseaux sociaux et tout ça. Et vraiment. Et je me dis, ça dépend tellement juste de nous, en fait, de, de, de pouvoir faire ça différemment. Il n'y a pas d'obligation d'être un connard sur Internet. Et c'est pas compliqué quand même de, Putain, il suffit qu'on le décide et on peut changer les choses, quoi. Et... et du coup, ouais, en ce moment, on enfin, vraiment de plus en plus, un truc qui me tient à cœur, d'essayer vraiment, enfin, voilà, de faire... Justement, c'est ce principe d'être... d'essayer de... d'être de, l'exemple... Enfin, d'être ce qu'on voudrait que... que d'être ce qu'on voudrait voir, en fait. Donc, je, avant de faire la morale, j'essaye de me l'appliquer à moi-même, et je suis pas parfait là-dessus non plus, quoi. Mais, euh, ouais, j'essaye vraiment de, ouais, mettre ça, de mettre ça en pratique, quoi. Euh... En même temps, un live de déviance ne serait pas un vrai live sans retard avec le chat. J'avoue, surtout que j'ai dû reprendre du retard là. 49, 59, 9. Non, ça va, 18 minutes. Je suis pas mal. Je suis pas mal. Je, repre... je regagne du temps. Ce qui est cool, du coup, c'est qu'il le fait samedi, du coup, plus de concurrence le dimanche. Non, ça me dérange pas du tout en plus, vraiment. C'est les potos. Encore une fois, il n'y a aucun jour qui nous appartient. Oui, <laughs> t'as vu comme il se de... mais parce que ça faisait un moment que je disais justement, euh, voilà, il y aura un truc samedi, normalement, machin, mais euh, voilà, je déteste, évidemment, je dis pas tant que c'est pas annoncé ou machin, et Freddy m'a dit que tu t'en avais parlé, donc j'en ai profité directement, et c'est cool, du coup, en plus, je n'avais pas l'affiche, mais euh, non seulement, évidemment, comme je t'ai dit, euh, du moment que je suis dispo, évidemment que je te dis toujours oui, mais en plus, ça fait super plaisir. Voilà, Lily, on commence à se connaître, c'est toujours un plaisir de faire des lives. Alex, on avait fait deux lives ensemble, je crois, et c'était très cool. Donc, non, non, en plus, je suis invité pour une super belle affiche. Donc, merci beaucoup à toi, Poto, ça fait bien plaisir. En tout cas, oui, donc n'hésitez pas, samedi, évidemment, ça se passe sur la chaîne de Comics Guardian. Et j'espère que tu vas bien, Lou. Et encore une fois, ça side deck. tout ça. Euh... Donc ça non, ça je peux pas encore en parler. Par contre, ça sera effectivement pour uh... pour plus tard, euh, voilà. Et vraiment, c'est un truc euh... incroyable. <laughs> vraiment, c'est un truc assez incroyable pour le coup et qui me fait trop plaisir. Et euh... et voilà. Après, euh... on croise les doigts tant que les choses ne sont pas arrivées, on ne sait jamais. Mais euh... mais c'est un truc en tout cas qui me fait hyper plaisir ce qui va se passer hein, le 1er mai, et qui peut être un début de belle aventure. On verra. Qu'est-ce qui a tué les dinosaures, l'âge de glace. Merci à toi. En espérant de grosses annonces ce soir côté Marvel. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. On va suivre ça de ouf. Et non, non, merci à toi. Et de toute façon, voilà, hein, j'ai tout le temps dit sur la chaîne, Comedy Guardian, pour moi, qui le Younon, c'est clairement un des parrains, un des parrains de la chaîne. C'est vraiment un de ceux où vous, euh, ou ça ne se changera jamais, de toute façon, parce que c'est un fait, euh, qui vraiment a été un des premiers à soutenir la chaîne, qui a été un des premiers à, à faire confiance, à soutenir, à m'inviter, à proposer à d'autres de m'inviter. Enfin, ouais, ouais c'est un, un des papas de la chaîne et c'est un, un de ceux grâce à qui euh, la chaîne a vraiment a pu se développer euh, dans les débuts. Et euh, un énorme merci pour ça. Euh, mais tu vois, quand on a regardé Birds of Prey, on n'a pas du tout pensé à ce genre de choses. On l'a pris comme il est venu, et comme il est sur ce genre de film. Faut... Bah ben non, non, moi je pose pas mon cerveau. Enfin. Le truc, tu vois, à la limite, en hein, Godzilla Kong, oui, tu poses ton cerveau parce que c'est débile et compagnie. Euh, non, Birds of Prey dit des choses et je ne peux pas ne pas les voir, les choses. C'est tout. Et je ne vais pas. Ce que tu appelles poser son cerveau, pour le coup, c'est pour moi. Attention, je n'oblige pas à ce que tout le monde. Doivent absolument vouloir comprendre le truc, analyser, machin. Chacun sa manière de regarder. Il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, pour ma part, dans ma façon de regarder les choses, parce que je m'intéresse à ce côté-là, puis à l'histoire et à comment c'est raconté, à comment c'est construit et tout ça, ça serait faire l'autruche ne pas le voir. Je ne peux pas ne pas le voir naturellement. Forcément, je vois ce qui est en train de se passer. Je vois qu'il y a un discours totalement misandre. Je vois tous les problèmes de narration. Je vois tous les problèmes de caractérisation. Je ne peux pas me le cacher. Quand je regarde là le Kong Godzilla, je les vois les problèmes. C'est juste que je m'en fous, parce que c'est pas méchant. Il n'y a pas de discours caché derrière, et que c'est juste un gros nanar avec des moyens. Donc je peux apprécier quand même. Sur Birds of Prey, il y a un discours que je trouve malsain, pour le coup. Il y a vraiment un truc que je trouve pas bien, dans la manière dont c'est fait. Et encore une fois, c'est mon avis. Je suis très content que t'aies apprécié, c'est cool. Tu passes un bon moment devant le film, c'est génial Tant mieux que j'ai pas passé le même bon moment. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Euh, comme dis, prof, il y du profil au charbon pour nous. J'ai plus que 11 minutes de retard. Ça va. Ça va, franchement. Euh, oui, du coup, merci. Merci de m'avoir prévenu que je pouvais en parler maintenant. Quand je regarde Kong vs Godzilla, je pense que je suis dans la capacité de ressentir l'effet de la série Peacemaker sur Sofiane, sauf que moi je me suis infligé tout le film. Je pense c'est un peu ça, mais ça montre vraiment à quel point c'est tellement subjectif tout ça. On ne sait pas pourquoi, des fois, des éléments qui vont marcher sur l'un, pas marcher sur l'autre, et ainsi de suite. C'est comme moi avec. Euh, comment s'appelle C'est comme moi avec. Euh, avec Rebel Moon, où je suis un des rares à l'avoir défendu. Je sais que ce n'est pas un bon film, je le sais. Mais je peux pas ne pas être honnête et j'ai quand même eu une affection pour ce film malgré tous ses défauts et c'est pour ça. Euh, ah ben bah, je l'ai pas senti comme ça. Ah ouais non mais t'inquiète. A... Bah je te pose un défi, euh, Lefthole. Cite-moi un personnage masculin dans Birds of Prey qui ne soit pas un fief connard. C'est un défi. T'as le temps que tu veux. Cite-moi un personnage masculin et c'est pas je te dis pas ça en mode piège ou machin. Hein. C'est juste on s'amuse et on en discute et tout ça. Mais euh, donne-moi un personnage, si tu le peux, qui, euh, tu peux tenter d'inventer un personnage et faire style, c'est moi qui me rappelle pas, hein, mais trouve-moi un personnage masculin qui n'est pas un énorme connard dans le film. Euh, ah, le bad burger, pour ceux qui savent pas, dans les comics, il y a vraiment un délire de bad burger où euh, tu peux faire jokeriser tes frites. <laughs> et tout le monde est déguisé, tout ça. Euh, Faux. Ah, le sandwich. Ah. Je sais plus lui parce que attends c'est pas le proprio c'est pas le même que le proprio parce que le proprio lui euh, il l'a trahi à la fin. c'est pas le même mec du coup je sais plus parce que je sais plus si le proprio c'est le même mec qui lui fait le, le sandwich ou pas mais dans ce cas oui c'est le seul si c'est le cas c'est le seul mais je me souviens plus non, c'est pas le même mec, hein. c'est un petit vieux, euh, celui qui, euh... c'est un petit vieux, je crois, celui qui euh, son gros Donc peut-être celui-là, effectivement. Sofiane, t'as avancé dans les mangas d'ici Oh oui, oui bah, je suis quasiment à jour dans tous. Il me reste juste, euh... ah bah c'est le même mec, donc il l'a trahi à la fin. Si c'est le même mec, donc non, vous avez tort parce qu'il l'a trahi à la fin. Mais euh, oui, oui, il me manque juste un numéro euh, de, euh... il me manque un numéro de chaque, je crois un numéro de Superman X Messi et un numéro de, euh, de Joker euh, Joker euh, opération Joker et il paraît que c'est la fin et si c'est vraiment la fin je suis dégoûté parce que je suis vraiment devenu fan du manga Joker, il est incroyable et, euh, et je suis trop dégoûté si effectivement c'est la fin SN Parode m'a annoncé ça et j'avais envie de chialer, je veux pas que ça se finisse ce manga il est beaucoup trop bien mais ce qui est cool avec les comics actuels, c'est que c'est un compromis entre le dessin animé et les comics originaux, Tortu Ninja. Tout à fait. Ça prend plein d'éléments que les gens qui ont vu les séries animées connaissent, mais en en faisant quelque chose de, de différent. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu le film, mais non. Euh, mais je ne dis pas que je ne suis pas d'accord avec ça, Deviant. Je dis juste que je n'ai pas eu le gène. D'accord. Alors, je vais vous dire en réalité, il y a un seul personnage. Il y en a un, mec, dans Birds of Prey, qui n'est pas un connard. Mais pour le coup, il a zéro ligne de dialogue. Il n'a pas de ligne de dialogue. La, 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 la vraie réponse, en fait, c'est qu'il y en a un. Et en fait, c'est le mec qui, euh, dans le flashback, emmène euh, Huntress avec lui. Et qui va l'entraîner. Sauf que du coup, il n'a jamais de dialogue. C'est dans un flashback, on n'entend jamais le son de sa voix. C'est le seul personnage masculin du film qui ne se révèle pas être un connard. Le seul. Et encore une fois, moi message féministe et tout ça, c'est très cool. Hein. Et c'est génial. Et effectivement, c'est bien qu'il y en ait. Mais de là à ce que ça devienne misandre de manière volontaire au point où c'est fait dans le film, bah, je trouve qu'il n'y a pas de raison que je considère, que je considère ça moins beau qu'un film qui serait hyper misogyne, que j'aimerais pas non plus, pour le coup. Euh... Bah, moi pour le coup, Girl Power, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Tu fais un film Birds of Prey, j'espère bien que ça va être girl power. C'est encore eux, comme quand tu fais un film, un film Wonder Woman. J'espère bien qu'il y aura un côté girl power. C'est le but. Mais il y a une différence entre girl power, tout ça, et carrément devenir en droit. ce qui est autre chose. Espère que c'est même parfois nécessaire. Non. <laughs> Pourquoi dans le film X-Men Dark Phoenix ils ont abandonné l'histoire avec les scrolls Parce que c'est de la merde. Je peux pas t'en dire plus. Ce film c'est de la merde. Et puis il y a eu les changements de dernière minute en plus. Genre la fin qui ressemblait trop euh, à je sais plus quel film de... Euh, je crois que c'était un film de DC, je sais plus. Mais pff, oui, parce que c'est nul. C'est un mauvais film. Ah oui, avec son film qui tue en église la vie biologique. Alors qu'il veut venger la mort de quelqu'un quand même. Oui, oui, oui. Qui recherche celui qui a, tué, euh, qui a tué son père. Oh, plein de cœur, c'est mignon. Assis, ouais, donc ça j'ai lu. Euh, ta, ta, ta. Oui, mais c'est ça. Ouais, c'est juste en. Un... On est un mardi, quoi. Ça va. Aucun souci. Oui, après demain. Après demain, après demain. Non, mais je me crois vendredi depuis ce matin, je sais pas pourquoi, en fait. En temps... Putain, d'ailleurs, j'ai dû. Je suis dégoûté. J'étais tout content, rappelez-vous. Parce que j'avais acheté mes petits micro-cravates, mes deux micro-cravates en mode trop bien et tout, machin. Je les ai perdus. Alors, je ne sais pas si je les ai perdus. Non. Je pense à 95% que quand je suis revenu de Strasbourg, je me suis dit, tiens, pour ne pas les perdre, je vais les mettre à cet endroit. J'ai jamais retrouvé cet endroit. Je ne sais pas où je les ai mis. Ils sont quelque part. Et je sais que je les retrouverai un jour. Mais du coup, vu que ça approche le Paris Fan Fest, et eh ben j'ai recommandé des micro cravates. Du coup j'ai pris un peu au-dessus tant qu'à faire en mode bon bah j'ai testé les autres. Je vais en tester des un peu mieux. mais Du coup je suis dégoûté. Je suis vraiment un blaireau. Et je suis à peu près persuadé. Je les reçois demain. Et je suis à peu près sûr que comme par hasard une heure après je vais retrouver les autres. Du coup ça m'en fera de rechange. Mais euh, mais je suis je, je suis mauvais là dessus. Je suis vraiment une merde. Mais bon du coup je reçois des nouveaux micro cravates demain. Ouais. Anecdote aujourd'hui j'ai été à Nigloland tant d'attentes dans les attractions mais du coup je vois pas c'est trop chiant ce truc avec YouTube ah voilà ah zéro minute parfait c'est bon ça je dis c'est trop chiant ce truc avec YouTube je parle du petit cœur le truc pour mettre des réactions là à côté c'est relou parce que le dernier message souvent du coup on peut pas le lire et c'est pas pratique euh, allez on avance je suis à quelle heure là niveau commentaire pourquoi j'ai pas l'heure Ah si. 4. 14. Ça va, je suis à 15 minutes. Je suis revenu. Je suis revenu dans le temps. Je suis revenu. Je vous rattrape. J'ai vu sur Twitter quand envoyé, Oui, donc ça, j'avais répondu. Et oui, oui, moi, c'est ce côté suffisant. C'est vraiment le côté suffisant, j'en peux plus. Hein. C'est un truc qui me saoule. Euh, ça, j'avais lu, c'est bon. Ce qui est cool, du coup, ce qu'il le fait samedi. Ah oui, ça, j'avais lu. Euh, ta, ta, ta. Communiquer avec les autres. J'ai toujours cette image cliché des mains qui se superposent. Je voulais t'offrir ma figurine de Thor, mais du coup je, je vois que tu m'invites pas, donc je vais la garder. Euh... J'ai jamais vu une vidéo de Mister Beast, en vrai. J'ai commencé à collectionner les figurines de ah, de 97 cool ça, c'est cool. Euh, D'accord, maintenant il prend les euh, youtubers aux voisins en oppression comme parrain de la chaîne, totalement, 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 totalement. C'est vrai. Il était présent au tout premier live de ce qui est ensuite devenu le dimanche des déviants. On avait fait six lives déjà les dimanches précédents, avant que ça devienne le dimanche des déviants, et le tout premier, il y avait si C'est tout à fait vrai. Un Parent, c'est-à-dire qu'il a la tête de Marlon Brando. Il est beaucoup plus beau gosse que Marlon Brando, voyons. J'ai plus que et Là, j'ai plus que 8 minutes. Je sais, Jarod, et je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est n'importe quoi que n'aies pas aimé. Alors, ça, j'ai répondu. Deviant qui est allé jusqu'à acheter un Burger One Piece, le fanboy, à son paroxysme. Non seulement j'ai acheté le Burger One Piece pour avoir le t-shirt, mais je suis dégoûté qu'ils étaient en rupture de stock avant que j'ai pu y retourner pour prendre la version Sanji. Parce que du coup, la, la version, quand tu prenais le menu Luffy chez Burger King, j'ai commencé par celui-là, parce que c'était le bœuf, qui est celui que je préfère. Mais du coup, c'était le t-shirt blanc. Mais je voulais trop le t-shirt noir euh, version Sanji et je suis dégoûté de ne pas l'avoir eu, celui-là. Et je peux t'assurer que j'ai fait euh, j'ai fait trois Burger King pour essayer d'en trouver un où il l'avait encore. Ouais, un petit peu fanboyisme, ouais. On va pas se mentir. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le film. Donc ça j'avais répondu. On en est à parler d'un personnage qui fait 15 secondes en Birds of Prey, on se marre bien avec vous. Mais parce que c'est le seul Parce que c'est le seul. Oui, en Legacy. <laughs> c'est vrai que si on compte en mode comics, en Legacy, en fait, on en est à 106. En réalité. Donc oui, en vrai, oui. C'est vrai, vrai qu'on pourrait faire ça. Comme ça, on pourrait le fêter deux fois. Mais, euh, mais ouais, on en, on en est à 106. Mais vraiment, c'est fou. Je leur dis encore, hein, grâce à vous, on a, réuni, on a réuni déjà 600 euros. Grâce à vous, 600 balles. Pour une petite chaîne comme celle-là, c'est... Moi, je trouve ça incroyable vraiment la manière dont tout le monde s'est impliqué que ce soit par des dons que ce soit en partageant que ce soit en en parlant quoi que ce soit c'est juste merveilleux enfin ce que vous avez fait c'est fou c'est vraiment fou qu'on puisse qu'on puisse transformer un truc qui pourrait juste être un you euh, salut c'est nous cool sans émission on en a fait un truc d'utile on en a fait un truc d'utile qui peut voilà qui peut servir vraiment à quelque chose et c'est incroyable ça, ça fait tellement plaisir c'est juste dingue c'est juste dingue. Euh, et pourtant, oui, je suis pas fan du ouais, donc ça j'ai lu. Quoi Il y a un homme qui n'est pas un connard, c'est inadmissible, Burst of Prey n'est pas sécurité, la réalité. J'avoue, c'est n'importe quoi. Des bisous, euh, Laura. Repose-toi bien. Bisous, bisous. Et puis bah, à demain, du coup. Euh, bon, bah, alors peut-être que j'ai rien compris au film, alors, ou à son message, non, mais du coup. Je... Mais... A... Qu'est-ce que... On s'en fout que moi je l'aime pas. C'est très cool que tu l'aimes bien, tant mieux. C'est un des trucs contre lesquels je me bats. Je, enfin, toi, je sais que c'est pas le cas, mais qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux ce truc de besoin de validation. Si tu n'as pas aimé le film que moi j'ai aimé, c'est que t'attaques ma famille sur 12 générations. Et ici, on s'en branle. On s'en fout. T'as pas besoin de moi pour kiffer ton film. Et tu le sais très bien. Et de la même manière que moi, si j'ai envie de pas aimer ou d'aimer ou de machin, je me fiche de la vie des autres. Et alors, Jarod n'a pas du tout aimé euh, Godzilla Kong. Du coup, je l'inviterai plus jamais. Enfin, est... du coup, je vais changer de co-animateur. Euh... Mais c'est pas parce que je lui en veux. Ça n'a aucun rapport. C'est un hasard, évidemment. <laughs> non, non, mais voilà, il n'a pas aimé Godzilla Kong. Moi, j'ai trouvé ça cool. Qu'est-ce qu'on en a à foutre hein Je sais que beaucoup n'ont pas aimé la scène des femmes de Endgame. Mais moi, bon, perso, j'avais bien aimé. Tu mets Overtaken ou une musique de One Piece là-dessus, ça passe nickel. Bah, ce que j'ai pas aimé dans cette scène, alors après, tu vois, fin, les types qui ont fait 12 vidéos sur cette scène-là, voilà quoi, ou qui s'énervent pour cette scène-là, il n'y a pas de quoi s'énerver, vraiment pas. C'est juste qu'effectivement, ça m'a fait sortir du film. Juste en mode, ça n'a aucun sens si Tu veux, c'est vraiment ce délire de t'es dans la salle, t'es dans l'histoire, t'es dans l'histoire le, le, qui se déroule, et d'un coup, t'as quelque chose où vraiment ça n'a pas de place dans l'histoire, où tu vois tellement à quel point c'est bon, allez, on va mettre un moment où vous êtes tout ensemble, mais ça fait aucun sens dans le contexte, et du coup, ça me sort de l'histoire à laquelle je suis en train d'assister. Si ça avait, c'est encore une fois, c'est une question d'exécution, c'est toujours pareil, c'est pas le fait en lui-même. Tu me dis. Tiens, je compte faire une scène avec que les femmes en avant plan à l'écran. Ça peut être top. J'en sais rien de base. Tu m'annonces ce pitch là, tu me dis il y a un moment, il y aura toutes les femmes en avant plan. Bah, ça peut être génial, ça peut être cool. Sauf qu'en l'occurrence, je vois l'exécution et non, ça n'a pas de sens. Euh, ça fait les mugibra qui marchent. Anecdote, aujourd'hui j'ai été à ouais, ça j'ai lu du coup. Euh... Tu, 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 tu. tu te crois vendredi car t'es pressé d'être samedi pour le live. Mais voilà, c'est ça en fait. C'est tout à fait ça. dégoûté que la guerre entre les scrolls, les cris et les chiards ait été traitée comme une petite guerre de gang dans le MCU. Alors que quand tu connais l'impact de ce conflit au niveau galactique, ah ouais, non mais ça c'est. C'est tous les loupés. pour ça qu'il faut vraiment reboot. Parce que c'est tous les loupés du fait de pas avoir eu les X-Men, de ne pas avoir eu plein de choses, et ouais, effectivement. Effectivement. Moi aussi, j'ai une anecdote avec Deviant Prod. De... Oui, oui, oui. Je sais de quoi il parle. Mais c'est parce qu'il y a... Pas un mec bon dans le film qui dit que tous les hommes du monde sont des cons, tous ceux qui apparaissent dans le film. Oui, mais non. Quand tu fais un film, tu tiens un discours. Euh, tout film a un message, euh, Left Wolf. Et quand tu fais le choix de manière consciente d'écrire tous tes personnages masculins de cette manière-là, c'est un choix conscient. C'est de la même manière qu'on dit que tout film est politique. Ce qui est vrai. D'une manière ou d'une autre. Il y a toujours un message dans un film. Et là, en l'occurrence, il y a un message conscient euh, par rapport à ça. Pour les enfants, c'est parfait. Ah, Nigolande, je crois, ça me dit un truc. Je me demande si j'ai pas été un jour quand j'étais gamin. Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Euh, donc ça, j'ai lu. Et franchement, regardez, j'en suis à 22, 26, 4 minutes. J'en suis à 4 minutes. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal. Euh, non, non, tu restes quand même par contre, Jarod. Il reste de la place pour devenir cohémateur. C'est pour un pote. Oui, dans le contexte, ça n'a pas de sens que toutes les femmes se réunissent à la fin d'un game. C'est ça, le truc. Encore une fois, c'est pas l'idée qui est mauvaise. Moi, ça me dérange absolument pas qu'il y ait un moment où toutes les femmes se retrouvent ensemble. Mais juste, il fallait trouver une façon intelligente de l'amener. C'est juste ça. Penses-tu qu'ils feront un Civil War 2 Non, je pense qu'ils auront reboot avant. Je pense. Je peux complètement me tromper. Mais normalement, après Secret Wars... Après Secret Wars, pour moi... Il faut qu'il y ait la fusion euh, des différents univers pour avoir un univers du MCU avec les 4 Fantastiques, les Mutants, euh, tout ce qui est Avengers, et compagnies vraiment où tu vas mettre tout ensemble. C'est ce qu'il faut pour moi. Après, si fait comme ta vidéo Spider-Man, <laughs> euh, tu crois vraiment que ça va. Ah oui, oui, bien sûr, Left Wolf. Oui, oui, complètement. Mais c'est pas que je le crois, c'est que c'est sûr. C'est. Un film, enfin un scénariste travaille de... Là, vraiment, c'est fait de manière consciente. Hein c'est fait de manière consciente après, pareil je vais pas gueuler, je vais pas faire 12 vidéos sur le film voilà c'est juste que c'est le cas je vais pas en parler pendant 10 ans mais, euh, mais oui après le film a plein d'autres défauts s'il y avait que ça, je pourrais dire que c'est un bon film, mais qu'il a un discours misandre après c'est que j'ai plein d'autres problèmes avec le film sinon à la limite je dirais, bah oui je trouve que le film est très cool mais il y a ce côté là qui me dérange euh, bisous bien. j'espère que tu vas bien. Les femmes dans le game, ça me fait l'effet des Mugiwara qui marchent à Harlong Park ou euh, au Nigashima. Bah, Harlong Park, ça fait sens. Parce que pour le coup, bah, c'est les personnages qui étaient ensemble et qui arrivent du village après que, euh, que Nami euh, leur ait enfin demandé de l'aider. Donc c'est logique que ce soit ces personnages-là qui arrivent. Là, ça n'a aucun sens que ce soit uniquement ces personnages féminins qui se retrouvent là, à ce moment-là. C'est complètement débile. C'est ça le truc. Non, ça va aller, veut Marvel. Ça va aller. Mais c'est ça qui est terrible en plus. C'est dommage, hein, parce que euh... ça aurait pu être un bon film. Moi, j'étais content de revoir euh, Monique Rambeau et de revoir euh, Miss Marvel. Et sa famille est toujours super attachante dans le film. Euh, Monica Rambeau j'aime encore bien le personnage, mais l'écriture, elle est claquée, quoi. Elle est claquée. Il y a trop de problèmes dans le film, dont certains viennent du fait que ça a été décalé et qu'il devait être avant Secret Wars et qu'il s'est retrouvé après. Mais, euh, mais ouais, non, c'est... C'est dommage, quoi. <laughs> Je viens de me battre pour Birds of Prey, j'ai pas assez de salive sur les doigts pour enchaîner tout de suite. T'as raison, faut qu'on fasse une pause, un passage au stand et tout ça. T'as raison, faut un truc. Au niveau du ressenti et de l'épicness, c'est subjectif totalement. Ah, mais complètement, Paul Crowley. Moi, c'est pour mon ressenti à moi, c'est par rapport à la logique et tout ça. Si toi, tu l'as ressenti, ou ça t'a fait le même effet que ça, c'est génial, mec. C'est trop cool. Parce que moi, du coup, les scènes dont tu parles, des mots je les ai sur Surkiffées de ouf. Donc, si ça t'a fait cet effet-là, je suis grave content pour toi. C'est trop bien. C'est tellement cool de ressentir ce genre de choses devant, devant un programme. Je suis hyper content pour toi. Sirou de citron. Alors, j'ai vu le premier épisode, de Fallout. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très cool, pour le coup. Franchement, très bonne série. Alors c'est que le premier épisode, mais les avis ont l'air plutôt bons aussi pour la suite, donc je suis curieux de voir. Mais, euh, mais ouais, non, ça, vraiment, premier épisode, ok, ok. Ça a l'air, c'est violent, c'est bien raconté, les personnages ont l'air intéressants, rien que l'intro déjà est calme. <laughs> tu vois l'intro, tu es en mode ah ouais quand même. Quoi. Mais euh, non, non, franchement bien, franchement bien. Euh, tu sais à quel conf vient Kissimoto en France Ah non Il vient où euh, Blix J'ai pas entendu ça. On va pas tarder à arrêter de toute façon. J'avais dit 2 heures, ça fait 1h56. Mais c'est sur quel conf qui vient du coup Je suis curieux de savoir. Ah, K Kana a annoncé qu'il vient en France Ah, ils ont pas dit euh, quel event D'accord. Bah écoute, nous, on va surveiller ça, en tout cas. On en reparlera, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est cool. Kishimoto qui vient en France, putain. Sympa, quoi. Vraiment sympa. Écoutez, on va s'arrêter là. Euh... Je réfléchis. On va se retrouver demain. On se retrouve demain. Euh... Demain... Demain, vu qu'il n'y a qu'un épisode de X-Men, donc ça ira plus vite que la semaine d'avant où on avait fait deux. Il n'y a qu'un épisode. Donc demain, on euh, fera le live euh, YouTube sur X-Men 97. Et direct après, on enchaînera sur Twitch. On fera ça demain. Là, comme ça, ce soir, je vais taffer. J'ai plein de taf à préparer pour vous proposer justement des trucs de qualité. Euh, du coup, je préfère qu'on fasse ça là je vais me mettre directement au boulot regardez aussi un peu de Fallout après si j'ai le temps avant de dormir et puis demain par contre on enchaîne X-Men 97 et hop pour ceux qui veulent on file sur Twitch euh, direct après continuer euh, la soirée ensemble et samedi je vous rappelle du coup on sera chez Comic Guardian Power numéro 3 le talk show 100% super héros accompagné par Lily sans par euh, Alex et puis, moi, ouais, bien évidemment, le maître de, cér de cérémonie, Comics Guardian. Et ça va être trop cool. Ça va être trop bien. Je vous fais en tout cas des gros bisous à tous. Merci. Bah, ça faisait un moment, Giovanni. J'aime bien de temps en temps, parce que voilà, à chaque fois que je, je fais des lives, vu qu'il y a toujours euh, forcément des thèmes, des raisons ou quoi, j'essaye de répondre, j'essaye de machin. Voilà, j'essaye vraiment le maximum. Vous, vous, voilà, vous savez, de toute façon, que euh, tant que je peux, j'essaye de répondre le plus possible. Mais. J'aime bien de temps en temps vraiment faire un live où, alors oui, du coup, j'ai 25, 30 minutes de retard sur le chat à des moments, mais voilà, j'aime bien régulièrement. Ça, je continuerai toujours à le faire, c'est un truc vraiment que je kiffe, mais voilà, de temps en temps vraiment faire un live où c'est juste c'est juste qu'on puisse discuter, où j'ai le temps vraiment de répondre à vos questions et tout, d'échanger. C'est, ouais, vraiment. toujours dit, hein, moi, je préfère un milliard de fois des lives à faire des vidéos, à m'enregistrer, machin, c'est beaucoup moins mon délire. Hein. Moi, ce que j'adore, c'est ouais, être en live et pouvoir échanger directement avec, avec tout le monde. Sur ce, je vous fais des gros bisous à tous. Merci d'avoir été là. Merci à ceux aussi qui regardent en replay, bien sûr. Si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas, pas à vous abonner. En tout cas, ça ferait très plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça aide énormément, ça met la vidéo en avant. Effectivement, je vous rappelle, et pour la prochaine fois, je mettrai le lien d'ailleurs. Il faudra que je l'épingle. Mais oui, effectivement, je rappelle que pendant tout le mois d'avril, euh, tous les dons qui seront faits sur le Coffee, dont euh, le lien est en description de la vidéo, seront destinés à la fondation Personnage. Euh, donc euh, voilà, fondation qui aide entre autres les personnes handicapées, mais aussi les enfants autistes, qui essayent de créer des meilleures conditions de vie euh, pour toutes ces personnes, et, euh, et de l'accompagnement aussi pour leur famille pour les proches, de l'information, enfin plein de choses, on en reparlera. Mais euh, voilà sur ce je fais des gros bisous à tout le monde prenez soin de vous passez un excellent samedi des bisous mon sigi et à samedi ça fait ultra plaisir des gros bisous à tous prenez soin de vous et ciao ciao bye tout le monde